Code Names. Code Names, même. On dirait, on aurait dit la synthèse vocale de Gartic Fun. Code Names. Jacques Ivasund fait une partie de Code Names. Ouais. Visage choqué. Ah bah si jamais Gartic, attention, on switch d'écran, hop là, Gartic il est là, personne n'a vu, hop là, on repart sur Code Names. Oh là, incroyable. En fait, vu que j'ai la flemme de refaire chaque scène pour chaque truc navigateur, j'ai une scène pour le navigateur, mais je suis obligé d'avoir Gartic ouvert quelque part pour que ce soit reconnu par Streamlabs. Je viens de mettre le lien. Je suis mais dedans. C'est parfait, ça. Ah d'accord, ça s'appelle Ship Trip Fish. Nous sommes actuellement 4. Fish and chips, quoi. Bon appétit. 5, 6, 7, 3, 6, 8. Et 8, c'est bon. Et nous allons répartir les équipes au hasard. Donc, l'équipe qui va tomber avec Plagues, bon courage. Ça dépend, si c'est l'équipe bleue, ça va. Hein. Bah, oh ouais. Ça commence mal. C'était gratuit. C'est équilibré, là. Allez, c'est quoi, je me dévoue pour être espion. Alors, pour le principe, je vais mettre Ando et Eleanora dans deux équipes différentes, vu qu'ils n'y ont pas joué. Je Ando, connais le connaît jeu parfaitement bien. Ah. Je connais très très bien le jeu. Ah bon bah. Je l'ai en physique. Ah. Oh, ah je vous disais qu'il existait une version physique. Nous, monsieur, attends, ça veut rien dire. J'ai aussi le jeu en physique, mais je l'ai jamais ouvert. Ah bah, j'y ai très très souvent joué, je peux t'assurer. Alors, équipe rouge, qui a envie de passer espion? Oh, yeah, c'est Plagues en face. Allez, hop. C'est quand tu ça a le mérite d'être clair au moins. Bon, c'est bon, on a gagné. Ça va le faire. T'inquiète pas, Plagues, tu peux le faire. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, oui. De toute façon, ça sert à rien parce qu'en fait, il y a que les espions qui doivent être prêts. C'est ça. Pas faux. Est-ce qu'on peut me dire si la musique est trop forte ou pas? C'est le joli tatou. Franchise. J'aime bien ta musique. Merci. D'accord. Ils sont mignons ces mots. Ah, ce sont des mots, ça c'est sûr. Il y a des mots qui se retrouvent sous un même thématique. Mais évidemment. Où les règles. Mais évidemment, c'est mélangé entre les rouges, les bleus, les blancs et le noir. Sinon, c'est pas drôle. Rouge et bleu et blanc et noir. Surtout le noir. Et donc, en gros, on va dire que épouvantail, citrouille et Halloween sont mélangés, quoi. Et campagne, on peut même ajouter. C'est l'hymne de nos campagnes. De nos rivières, de nos montagnes, de la ville. Mon animal. Respectez-vous. Quel est bien fort, il s'écoute le vocal. Ok. Tout va bien. J'espère que tes voisins ne dorment pas. Qui commence d'ailleurs? Ah, c'est nous qui commençons en plus. Allez, oui. Plaque, tu peux le faire. Attends, il y a quoi? Je t'avoue que vu la combinaison qu'on a droit, ça va être. Oulou, ça va être une partie de plaisir. Avec un peu de chance, Plague, une semaine sur deux, il alterne les équipes aussi. Ah, ah. Non. Charge, luxe, cabane. Ça m'arrangerait bien. Je suis en train de regarder les mots de Plagues. Ah putain. Ça pique, c'est dur. Il y a du piment. Ah, merci Draken pour l'abonnement, c'est gentil. Pour 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Merci beaucoup Draken. C'est incroyable, bravo. Ça fait très belle. Il n'y a pas de temps sinon. Non, il n'y a pas de temps sur le navigateur. Heureusement. Voilà, on prend le temps, on apprécie. Absolument. Il n'y a pas de temps sur la version en ligne, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de temps dans la version physique. Ah bon? Tu peux le rajouter si tu as envie, bien sûr. Vaut mieux pas. Bah attends, comment tu veux faire les... Parce que autant la dernière fois, on avait quand même réussi à faire des choses intéressantes. Là, je lis les mots. En même temps, je vais pas lui faire autre chose que ça. Mais tu peux les prononcer à voix haute. Je suis pas sûr que je suis intéressant. Voilà. Mais c'est difficile de faire des associations entre tout ça, là. C'est vrai que c'est pas facile. On trouve bien un truc. C'est toujours un truc à trouver.
Surtout que oui, c'est... c'est pas facile. C'est compliqué. Hein. Et si, après par exemple, rouleau, je sais absolument pas avec quoi le... Machine. Le coller. Ouais, éventuellement. Un plat, ustensile de cuisine, quoi. Ouais, ah, plat, ouais. Moule. Ouais, moule, non, mais arrêtez de flaguer, bon, hein. S'il vous plaît. Mauvais choix. Merde. Rouleau, voilà. Neveu franchise. Vu le satellite. Satellite, il avait fait bader des gens la semaine dernière. Ouais. La satellite. Bon, en attendant, tout le monde va bien. Il y en a que j'ai pas vu depuis une semaine, voire un peu plus. Enfin, pas vu, pas entendu surtout. Ça allait bien jusqu'à il y a quelques minutes quand on a lancé la partie. allez, Plags. Fais des trucs au pif, hein. Ça t'arrangerait bien, le gars, pour le coup. Hein. Tu vois ce à quoi j'ai accès. Oui. Donc, tu comprends que j'en chie un petit peu, quoi. Oui. Voilà. Comment ça, t'as plus de points de scène, Draken ? Faut se lancer, faut prendre le taureau par les cornes. Ah, d'accord, je viens de comprendre, Draken. T'as pris les abonnements juste pour avoir le pourcentage bonus des points de chaîne. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Le coquinou. Après, tu gagnes pas beaucoup en plus. Non, mais 9999 points de chaîne. J'avoue que depuis tout à l'heure, je regarde les mots bleus. Les bisous à Christophe. Voilà, j'allais le dire. Mais je n'arrive même pas à faire une association entre deux mots. Les mots qu'on dit avec moi, c'est pareil. Hein. Je vais tenter un truc, mais putain. Allez. Vas-y, tente, tu peux le faire. Il va falloir chercher loin les enfants, moi je vous le dis. Hein, ça. Okay. Allez, vas-y. C'est. Je sais pas. Allez, je prends le risque. Calliotracté. Alors, langage en deux. Langage. Ok. Maintenant. Alors, je suis désolé, je l'ai pas. Ok, je comprends pourquoi. Oui, parce que toi, tu as les mots, tu comprends, mais nous... Oui, et je comprends que vous compreniez pas. Comment est-ce qu'on peut mettre son nom sur une case que l'on a, que l'on pense judicieuse ? Faut cliquer dessus, voilà. À côté. Après, je suis d'accord avec toi sur le morse. Ah, par contre... Il n'y a pas de... Ah, pour le coup, ça tombait un peu sous le sens. C'est sûr, mais bon... Deuxième, ça va être cool. Il y a l'équipe qui se tire déjà dans les pattes, directement. Mais enculez-vous, là. En deux ? Attends, que j'aimerais bien vous déconcentrer, mais déjà, il faudra avoir une piste. Bah, je pense à l'index aussi. Ouais. Ou à la règle. Les règles peuvent être une sorte de langage. Ouais, bon, pourquoi pas. Les règles de l'autre. Sur le chat, vous pouvez discuter entre vous, hein, bien sûr, sur les chats même. Pour c'est avoir machine pour. À écrire, donc le langage, je sais pas, peut-être. Ou index, oui. Plausible. Ou index, ouais. Index. Moi j'aime. Oh, pardon. Ah bah d'accord. Désolé. Alors, voilà. Ah bah. Ça, c'est toi qui te l'as dit, hein. S'appelle de la chance. Ça s'appelle de la chance, messieurs dames. Je suis désolé. C'est pas bien qu'il y avait genre la carte noire sous machine, quoi. C'est là qu'il fallait cliquer. En fait, il fallait surtout pas faire ça, en fait. Les gars, faut pas cliquer sur le bouton jaune, d'accord, Baptiste? Pas sur le bouton jaune. Bah, du coup, je vais passer votre tour, vous allez pas remettre un autre. Non, je pense qu'on va terminer là. Franchement, faites-vous plaisir. Vous avez déjà qu'est-ce qui peut arriver de pire? Bah, la carte noire? Ah, non, mais un détail. La carte noire. Je trouve que pour le coup, c'était vraiment de la chance parce que. C'est pas celui-là. Une sonde borne avec le son de Motus de la boule noire. Oh. Tous en cœur. Arrêtez ça tout de suite. La boule noire, je l'avais en sonde borne, mais sur TeamSpeak par contre, pas sur Discord. Ça va être facile. Hein. Ah, pardon, forme, oui. En deux, hein. Oh non. Non, monsieur Vert. Un moule pour donner une forme. Mais ça peut être le moule à gâteau. Ah oui, pardon. Forme, hein. Dans ce cas, oui. Tout le monde n'a pas l'esprit mal placé comme toi. Hein. Oh,
Oh, tout de suite. Oh, tout de suite. Voilà. Bah, dans ce cas, un plat. Dis-moi. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas d'association entre nous les plats. C'est pas une histoire de bouffe. Ouais, ouais. Il y a une association entre le disque et le moule. Imra. En fait, À part ce que vous avez mis, je ne vois rien d'autre qui irait. Bon, le disque, ça paraît évident, mais après... Donc voilà, hein. Mais le rouleau, j'ai pas de cause. Je pense que le moule est plus pertinent que le rouleau. Tu penses? Je pense que moule est plus pertinent que le rouleau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, en termes de forme, sinon il y a. Pas grand chose. Voilà. Ouais, c'est sinon, c'est bien, je trouve. Hein. Ou des trucs qu'on vient d'avoir. Genre, c'est quoi la forme d'un vœu, par exemple? C'est quoi la forme du luxe? C'est quoi la forme d'une solution? Je dirais qu'un vœu, c'est plutôt sphérique, tu vois. Solution. Bon. Non, je pense que. Allez, la boule. C'est parti. Allez, dommage. Bim bam boum. Il a l'air assez petit que le chien. Il a l'air. C'est agricole, je trouve. Ah, fête. Ah, ça peut être le vœu. Halloween, oui. Vœux, pas mauvaise idée. Ouais, c'est pas con. Je pense Halloween en vrai. Halloween, je pense qu'on peut le valider tout de suite. Hein. It is okay, it is okay. Oui, oui. Ouais, on valide, allez hop, c'est bon. Ah! Et ça pourrait être satellite, je veux dire, c'est toujours un peu la fête dans le centre de lancement quand ils arrivent à faire décoller une fusée, non? Ouais, yes. Mais non. C'est pas faux. En mangeant des fou. Cacahuètes. Après, si c'est trouille, c'est quelque chose avec Halloween. Ouais, mais je pense qu'il aurait dit autre chose, tu vois, s'il avait dit. Ah, je me souviens. Mais il est plutôt à bannir, sinon il l'aurait réuni sur autre chose. Il aurait dit un autre mot. Vraiment dans le thème. Après, une fête, ça peut être le luxe aussi. Ouais. Ouais. C'est de l'alcool, donc du vomi, donc un seau. Tu vas beaucoup trop loin. Ça perd tout. Non, moi, je suis plutôt d'accord. C'est peut-être la fête du nouvel an lunaire asiatique et donc le rouleau de printemps. En vrai, à part vœux, je vois pas grand-chose. Ouais, je partirais quand même plus sur vœux. On t'entend. On tente de vœux. Allons-y. Je suis d'accord. Allez. Oui. Incroyable. C'est bien joué. T'as 3, 4 cartes. Oui. We're so wonderful. Est-ce que vous tentez du pif? Non, je ne pense pas. Non. On finit de deviner. C'est à vous les bolos. Oh, se calme. Je tiens à préciser, vous me cassez les couilles vraiment là, l'équipe rouge. Oh bah, on n'a rien fait. De toute façon, on va gagner au final. Ouais, on disait ça la semaine dernière. Alors ça, l'équipe bleue la semaine dernière, on se souvient qu'on vous a quand même vachement écrasé, quoi. Mais c'est parce qu'il y avait Plax dans l'équipe rouge. C'est ça. Il a joué spécifiquement contre l'équipe rouge. C'était un traître. Mais que fait l'équipe de Saint-Amand-les-Eaux? Pense en l'art, Alga. Référence Interville pour ceux qui n'ont pas. Avec les bains, c'est comme les matchs les plus... Allez, Ranga. Saint-Amand-les-Eaux contre Mont-de-Marsan. Ce chien a vraiment l'air circonspect. Oh, il est trop mignon. N'empêche, tu vois, Ranga, il troll les plaques en mode, ouais, il va avoir des meutes trop dures à faire. Ouais, tout de suite, alors que lui, il en aura bien, quoi. Tout le monde dit que Plax... Non, mais c'est 4 mains, ça. On rabaisse notre équipe, mais en fait, voilà. Au final, force est de constater que nous nous débrouillons plutôt pas mal, grâce à Plax. Attends, la partie vient à peine de commencer. Je ne veux pas savoir. Ralga, nous croyons, toi, tu peux le faire. Et là, il nous sort en 6. Pistache. C'est le jackpot, ding 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 ding. Ah, me parlez pas de jackpot, s'il vous plaît, ça me traumatise. Le jackpot Oui, jackpot. Dans Mario. Ah putain, oui, la roulette. Ouais, le jackpot, ça me fait penser au Disney Robin des Bois.
Alors, Alga. Robin des Bois. Jackpot, ça fait penser de la ligne. Le jackpot. Ah. Le jackpot, ça fait penser à l'attaque de Biaous. Mécanique, machine. Orange. Rouleau. Satellite. Pardon. Une charge. Citrouille. Charge, je suis pas sûr. C'est orange, orange mécanique. Moi, je crois. Hein. Oh ouais, on se tend la cubique, ouais, on... TMTC. Ah, hein. Ah, de toute façon, je pense que la machine, il n'y a pas trop de doute. Hein. Est-ce qu'il y a de la mécanique dans un satellite? Normalement, oui, il y a la force. Enfin, bah, pas beaucoup. Voilà, tu en as forcément un peu, mais c'est surtout de l'électronique. Tu as forcément de la mécanique. La principale... La mécanique des fluides. Pour ouais. Mais je pense que la machine, déjà, on peut la valider. Hein. Ouais. Il y a le célèbre saut mécanique, sinon. Alors, la question que je me pose, du coup, c'est est-ce qu'il a mis mécanique en deux en espérant qu'on... Et ça peut être clé, les gars. La clé de réparation de voiture, c'est de la mécanique, la voiture. Ah oui, effectivement, ouais, je... Et là, le gars, il est putain, mais quelle bande de cons. Mais enfin, c'est évident que c'était témoin. Mais honnêtement, tu vois, on partait sur rouleau. Ah, mécanique, pneu, témoin, voiture. C'est un peu. Non, pour mais moi, non, c'est. Non, non, non. Le fameux tourmental est mécanique aussi, tu vois. Pour moi, là, c'est la clé. Et rouleau, on peut le mettre pour tout à l'heure où on s'est trompé, on a pris une carte blanche. Pour moi, on peut tenter les deux, rouleau et clé. Ah, je sais pas, pour celui le premier, j'hésite entre rouleau et plat, perso. Attends, c'était plat... Forme, forme de plat. C'était forme. Ah, forme, ah ouais, le... Que ce soit plat, arrondi, etc. Dans le sens là. C'est pas bête. Ouais. En fait, je sais pas lequel on fait en premier. Est-ce qu'on tente le pif sur plat ou est-ce qu'on tente clé en premier? Oh, moi, j'aurais tenté clé, la mécanique clé. Me paraît pertinente. Je vous laisse faire le clic, je ne prends pas cette responsabilité. Bah, Imra, vas-y. Ouais, bravo. Alors, et on pif plat. Est-ce qu'on pif plat ou rouleau? Pour moi, c'est plus. Je pense que c'est plus plat que rouleau. Plus plat. Plat, c'est une forme. Enfin, tu pourrais conceptualiser le fait que plat, ce soit une forme. Le rouleau... En fait, le rouleau, forme de rouleau, ouais, c'est un peu chelou. Bon, allez. Et ça va pas... Oh, bien joué. Oh, bien. Allez, let's go. Bien, bien. On passe devant. Non, égalité, il y a égalité. Ouais, il y a égalité. Non, catastrophe. Très vite, quand même. Hein. Eh bien. On a un mot terminé en plus. Tu le vois où, le chien? Un chemin, pas possible d'entendre ça. Ah putain, oui, c'est à moi de choisir. Je suis pas... Bah oui. Oui, blague, bienvenue. Bon, du coup, je vais aller me cuire une pizza. Je pense que t'as le temps de fonder une famille. Hein. Vas-y. Bon, on veut pas savoir. Disons que ça se complexifie un petit peu. C'est plus dur que tu as Conheim, je pense. Peut-être moi de faire un truc. Attends. Après, si t'es pas sûr, fais-les un par un. Ouais, mais un par un, on risque de se faire griller. Hein. Non, mais ça, on s'en fiche. L'important, c'est la nature. Assure le truc, et non un seul. Barrez-vous. En deux tours. Ouais, deux tours, ça va être un peu chaud quand même. Quoi. Ah, c'est bon. On va faire rejoindre la partie. Excellent. Ah, c'est une nouvelle technologie. Hein. On n'arrête pas le progrès, moi je vous le dis, ma bonne dame. Ah, c'est incroyable. Hein. Ah, de mon temps, on pouvait pas faire comme ça, de toute manière. Ah, quand même, ça c'est pas vrai. C'était perdu, hein. Comment va notre ami belge? Putain. Bien. Ouais. Il est impressionné par devant tant de niveaux. Oh là là. Alors, je vais tenter un truc hyper risqué. Ah, en 7. Témoignage. Non, mais non.
pas très. Attends, là, y a déjà qui on m'a dit pas de la même famille, les enfants. Non, non, tu peux pas mettre témoignage là. Il est vrai que là, quand même. Ah, du coup, t'as, pas, t'as absolument pas le droit de valider témoin avec ça, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a de l'abus, Albus. Hein. Témoin. Il n'y a plus le temps de témoin. Bon, ah, si, il est vrai que là, franchement, c'est pas très sympathique. Oh putain, mais. Non, mais on va pas. Merde, j'aurais dû mettre un autre bon, mais. Je suis atterré. Oui, non, là, pour le coup, j'ai merdé. Choqué de déception, là. Ah, on ne va pas valider témoin, du coup. Mais pourquoi charge Les charges. Eh bah, témoin à charge. Ah. Ouais, ouais, donc, pour le coup, désolé, j'ai merdé. En 3, c'est-à-dire qu'il en reste un autre à part témoin et charge. Moi, je sais lequel, c'est... Il est tellement facile, franchement, si vous le trouvez pas, vous êtes nul. Je me dis que les témoignages, c'est vraiment en rapport avec les lois, donc avec les règles. Oui, comme le double décimal, quoi. N'oubliez pas de cocher toutes les autres cases au passage. Dans le sens où vous êtes trop. Ouais, j'avoue, il y a quasiment tout qui est dans la gueule. Le témoignage se fait rarement debout, il faut probablement valider siège. Oui, alors, j'y ai pensé, mais du coup, j'ai plus envie. Est-ce qu'on n'irait pas sur charge ? On va les charge ? Ouais, je dirais qu'on va les charge. Allez. Yeah. Oui. Ensuite, règle ou franchise ? Parce que franchise, tu vois, genre, quand tu témoignes, t'es obligé de dire la vérité, être franc, peut-être. Je sais pas. Quand tu témoignes, t'es obligé de dire la vérité. Ouais, ouais. Ça me paraît un peu loin, la franchise. Je sais pas, je partirais plus sur règle, quand même. Non, règle, je sais pas, il m'inspire rien, tu vois, genre... Mais la franchise, c'est peut-être la mécanique avec l'assurance de après, la voiture. Voilà, on est l'épouvantail, hein, il est peut-être témoin de quelque chose. Non, le règle, je sais pas. Non, mais après, il y a un phénomène qui s'appelle les assises, assises siège. Je ne sais pas. Ouais, alors après, franchise, c'est capillotracté. Ah, c'est, ouais, c'est plus que ça. Mais... Le siège, c'est bien. Siège. Bah, même mon explication, elle était, pour siège, elle était moins capillotractée que ça. Ouais. Alors que pourtant. Que la montagne est belle. J'ai plus confiance en franchise qu'en siège. Bah moi aussi, franchise, je me dis pourquoi pas. Mais je sais pas, franchise, j'ai un peu mais de... Mais règle, calme, il me fait peur. J'ai l'impression que c'est le mot noir ou je sais pas. Bon bah, si vous voulez... En fait, j'ai l'impression que vous voulez remplir la diagonale, en fait. C'est... Vous gagnez pas, hein. Ils font un motus, en fait. Les cases, c'est pas des... c'est les nombres des boules, quoi. C'est comme le puissance 4, là. Ah, mais en fait, on gagne pas quand on a mis nos noms partout. On aurait menti. Je vous laisse valider franchise. Moi, je prends pas cette responsabilité-là. Allez, je... Moi, franchement, je le sens pas. Hein. Allez, ouais, moi non plus. Moyen, mais... Est-ce qu'on en valide un autre ? On fait autre chose. Je vous dis règle. Bah, tentez la diagonale, tant qu'à faire. Moi, je tente pas règle, du coup. Je l'oublie. Parce bon. Que sûr que c'était témoin du coup le 2-3ème. On sait que c'est témoin, donc oui, je dirais qu'on va te passer ici. Ouais, on devrait s'arrêter là. Changement de plateau. C'est de tout de râle. On a confiance en toi. Le joueur français tente le carrosse. Bah, c'est trop. Oh, l'instapic des trois, quoi. Ouais, reine aussi. A priori, il y a que les deux là qui vont. Hein. Ouais, après, il y a un siège, un carrosse, mais... Éventuellement. Ça peut être, mais je pense que reine est plus approprié. Ouais, je suis d'accord. Bon, de toute manière, citrouille. Ah, oui, citrouille. Citrouille, c'est sûr. Voilà. Et ouais, non, je pense que pour le coup, carrosse, une carrosse royale, on craint plus que luxe. Ça me paraît plus logique. Ouais. Putain, pourquoi je crois que je valide, c'était blanc. Terrible, terrible. Et la rallye, il est en train de dire. J'ai pas regardé les blanches. C'est un coup dur pour le joueur français. C'est dommage, ouais. Allez, rallye. Carrosse pour le siège, la 6 dans le. Non pour bondir après. Ouais, soit siège, ouais, siège éventuellement, mais. Ah, ou rouleau pour roue. Bah, c'est trop. Un roue-rouleau, c'est. Non, pour le coup, je vois plus luxe parce que bon, le carrosse, c'est pas pour. Ouais, ouais. C'est pas pour le tiers-monde, quoi.
C'est ouais, pas pour Jules rigolo. C'est pas pour la plèbe. Allez, plèbe. Vous avez besoin de plébéiens. J'ai eu un relent de César 2 là. De César. Bon, je vérifie une dernière fois qu'il y a un qui colle avec ce que j'ai marqué. C'est pour jamais. Au pire, si la carte elle est noire, c'est pas grave. C'est... Bah si, en fait, on t'as des points bonus hein, si tu fais tirer la noire. Allez, on va pas expliquer, non, bon, c'est bon. Prison, bon bah témoin, on va avoir règle. Ouais. Quand t'es en prison, t'es en cabane. Ah ouais, t'es en cabane, c'est ouais. Vrai. Ah, t'es en cabane, t'es en cabane. Donc, ces trois-là ? Je commencerai par témoin quand même. Ouais, je suis d'accord. Allez. Ah, oui. Règle, je sais pas. Bah, cabane en premier, alors. Je sais, attendez, attendez. Ouais, parce que ça peut être également une solution. Je regarde les autres options. Ouais, c'est un trop règle, cabane. Cabane, allez. Oh, oui. Oh, ok, c'est bon. Le dernier, c'est plus compliqué, là. Bah, du coup... Bon, c'est pas luxe, c'est pas satellite, c'est pas rouleau. Je pense pas. Pour en taille. Excuse-moi, mais un satellite ferait une excellente prison. Hein. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Oui. On a vu ce que ça donnait dans Les Gardiens de la Galaxie. Hein. Rouleau, c'est mort. J'avoue. Bon, à peu près n'importe quel ouvrage de SF où ils ont des prisons spatiales. Voilà. Donc là, vous me dites qu'il faut, dans tous les cas, si vous trouvez pas là, faut que vous trouviez les trois autres. C'est ça. C'est ça. Bah, ça va être dur, hein. On va les règles. Bah ouais, mais moi je sais pas pourquoi règles. Bah, allez-y. C'est un peu bizarre parce que ça fait une diagonale quand même. C'est... Ouais, je sais pas, c'est chelou. Au pire, il leur reste encore 3 jours à deviner. C'est déjà arrivé la diagonale. Non, c'est pas grave. Ah, tu vois. Merci, c'est pas grave. Pour moi, c'était pas le mot noir. J'avais trop peur que c'était le mot noir. Mais respecter les règles, c'est pour les perdants. Respecter les règles, c'est pour les perdants. Manière, voilà, l'histoire se souviendra que si l'équipe rouge a perdu, c'est parce que Plex a triché. Voilà. Et donc, Nostralix. Quoi ? Mais non, mais ça veut dire que je trichais pas ce soir. C'est pas moi qui fais ça, je te jure. Tout à fait, Draken. La dernière carte, agent des bleus, on dirait effectivement Élise Lucet. On avait déjà dit ça la semaine dernière. C'est vrai. Je pense savoir c'est quoi le dernier pour prison. Tu penses savoir c'est quoi? Ah oui, ouais. Très, très France. Tu penses savoir ce qu'est? Pardon ouais, non, on dit quoi c'est. Tu penses savoir quoi c'est. C'est qu'est-ce qu'il dit Nostralis. Allez, c'est fini, je m'en vais. Je vous demande de vous arrêter. C'est pas ce que vous croyez, un film de Peter Bichler. Respecté. Peter Bichler et je sais plus quoi, faute d'accord. Il y avait aussi Peter faute d'accord, je crois. Alors, c'est pas... Il y a deux Peter, en fait, dans le truc. Ah. Satellite. Ah. Solution. Et pour le troisième... Science. La science des épouvantails. En fait, je sais pas si on doit trouver le troisième avec science ou s'il tente de nous faire piffer le... Celui d'avant. Ouais. Bon, solution. Oui, hein, oui. Solution. Go solution. Satellite. Oui. Voilà. Oui, oui. Bravo. Science. Ça se joue là-dessus, hein. Ouais, la sainte vérité. Il y a un truc qui pourrait avoir du coup un rapport avec Carrosse, parce que je pense pas que solution ou satellite ait un rapport avec Carrosse. Salut Cotraf dans le chat. C'est ça. Le jeu est très serré entre les deux équipes. Alors, je me dis que ça se trouve, il a pensé au truc. Alors, science, luxe, parce que grâce à la science, t'es capable de transformer du carbone en diamant. Et j'ai pas mieux. Ouais. Mm-hmm. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là, je suis sûr que philosophal et tout. Tu es en train de rager, de baver partout. Mais de toute façon, le carrosse de tout à l'heure, on en a qu'un, il nous en manque un. Donc, si on se réfère à ça, il nous manque bien. Le noir. Pourquoi siège sera en rapport avec la science là?
Pour moi, c'est Lux. Siège de la communauté scientifique. Non, j'arrête. Je sais pas. On fait quoi, on valide Lux ou... De toute façon, si on n'a pas le choix que de valider, au mieux c'est une bonne réponse. Et quoi qu'il en soit, si on se trompe, ils ont gagné, c'est sûr. Puis si on se trompe, c'est la faute de Plagues. Mais n'oublions pas que quoi qu'il accoude, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oh, oh oui, non, merci. La porte dorée, bien sûr. C'était donc siège. C'était bien oui. Siège. Ouais, donc il fallait mettre science en deux en fait. Ouais, t'aurais dû mettre science en deux, comme ça on savait que le troisième c'était autre chose. Oui. Mais bah... c'est pas grave. Hein. On était du pas coup, loin. Que c'était bien la prison dorée par rapport à ça. Oui. Oui, bien sûr. Il a joué pour son équipe, on applaudit tous. Il y a deux plaques. Alors par contre. Par contre, pour témoigner, je m'excuse parce que franchement, putain. Je... Oh, et oui. C'est épouvantail le mot noir. Ouais. Alors par contre, vous m'avez beaucoup déçu sur forme que j'ai mis avec un S. Il y avait juste deux formes à mettre, il n'y en avait que deux. Merde quoi. Un rouleau. Oui, oui là, bah, tu peux assimiler la déforme. Hein. C'est lire. Non mais le pire c'est... Non mais plat, non, non, je fais... mais si. Eh mais il y avait le moule. Ah ça a bien sur autre chose hein. C'était serré quand même. Allez Ando, espion. Ok, si tu veux. Allez, je veux. Mets face à Ando. Si tu veux. Alors, je demande à mon équipe de ne pas regarder le stream. Allez, on est sûr. Oh là. Oh, Seigneur Dieu. Oh là, il y a un mot qui est très risqué. Oui. Irak et grenade. Alors. Et guerre. Nous sommes en guerre. Oh, avec Emmanuel Marron, évidemment. Okay. Oh, les cacahuètes! Oh, oh ouais, tes cacahuètes! Oh, la vie de l'air! La vie de l'air! En fait, il y a plein de mots là. Par contre, il y a plein de mots qui vont ensemble par rapport à la game d'avant, ce qui est encore pire. Ça va être horrible! En fait, en plus de ça, bah, faut se dire que bah, y a les deux couleurs, quoi. Et le pire, c'est s'il y a la noire qui va avec plein de trucs. Oui. C'est la semaine dernière où il y avait le truc infâme avec l'eau, je sais pas quoi. Là. Liquide en mot noir. Liquide en mot noir. Alors que il y avait Atlantique, il y avait. C'est là où j'ai mis Porto, je crois, alors que j'avais Portugal et vin et que c'était un petit peu triché. C'est un petit peu évident. Je ne triche pas. Je veux pas que Jake il boude. Voilà, comme ça en équipe, voilà. Ça, je suis pas le seul. Ah. Je tiens à préciser que pendant toute la game, j'étais à l'écrit avec Plagues et que sur la fin, il m'a mis un gif de Titanic qui coule. Non. Ah, parce que c'est du sabordage pour le coup à la fin quand même, donc. Non, mais le pire, c'est que le siège, vous l'aviez plus ou moins. Et à chaque fois, c'était « Non, mais ça peut pas être ça !» Et ça revenait régulièrement, tu vois. Je fais « Mais si !»« Non, mais ça peut pas être ça !»« Mais si !» C'est possible. Ah, c'est l'histoire des sciences sur la fin, nous a un petit peu... Bah oui, hein, la science des sièges, la siégeologie, hein, comme je vous l'ai dit aussi. Hein. Très réputé, voyons. Je mets sur le chat auberge la vidéo à laquelle je pense à chaque fois qu'on parle de cacahuètes. C'est pas simple, Jack, c'est pas simple. Hein. Bah là, le problème, je peux pas faire beaucoup d'associations, en fait, moi. Ouais. C'est compliqué. Sinon, je prends le risque, un, d'aider l'équipe adverse, et deux, de planter l'équipe. Oh. Elle est très bien, en fait. Planter mon équipe. Jack, il faut savoir créer sa chance. On va lancer un D20. De toute façon, on n'oublie pas, nous sommes en guerre. Alors, ce dé. Ah, j'ai peut-être. Attends. Je regarde le reste. Trop bien là, les Simpsons. Ouais, je vais tenter quelque chose. Ça rappelle des souvenirs, ça. Punaise. Je relis.
je vérifie qu'il n'y a pas d'association d'idées à faire avec voilà. Sumo et les cartes blanches. La semaine dernière, j'ai réussi à vous faire aller sur deux fois sur la case noire, donc je me relis. C'est vrai. Il se rend compte le moment qu'il est marqué matinal, tu vois. J'ai beau être matinal. J'ai mal. Ah, vas-y, du coup, j'ai envie de manger du super morceau. Moi, je veux des cacahuètes. Alors, férié. Férié, c'est fermé. Tout à fait. Ah, mais là, c'est ferme, c'est pas écrit fermé. Ouais, mais ferme, fermé. Oui, mais quand c'est férié, ça ferme. Ah, dans le vocal. Et férié. Vote relatif à la mairie. C'est soit tu fais la grasse mat, soit tu restes à la maison. Aussi bien, tu pars en voyage. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu court, férié. Plus loin. Moi, je peux dire que ça fait plusieurs années que l'Irak est férié. J'ai pas compris. Non, arrêtez, monsieur. Alors, de toute façon, c'est forcément un de ces cinq-là. Ouh, super. Non, mais... Oui, mais c'est en deux. Non, mais je veux dire, il n'y a aucun autre mot qui pourrait coller. Ben, je ne pense pas. Est-ce que j'ai bien volé tous les mots? La mairie, je suis quasi sûr. Ferme, honnêtement, je sais pas si ferme, fermé, il y aurait eu la relation de fait. Je suis pas persuadé. Tu vois. Alors, Mizu Aka, par contre, sur le chat, je ne m'appelle pas Iva Sound. Iva Sound, c'est l'association. Moi, c'est Jake. D'accord, Iva Sound. S'il vous plaît. Salut, Iva Sound, quand ça va. C'est écrit en gros en bas. Jacques. Bonjour. C'est Jacques. Moi, c'est Jacques. C'est l'association qui s'appelle Iva Sound. Au lieu de dire oui, alors en fait, c'est pas ça. Non mais allô quoi. Bon. C'est non mais en fait, moi je dois faire la mairie. Allez, mairie, voilà, ça c'est fait. Voilà. Ah ça y est, ça y va quoi. Et après, de toute façon, c'est la phonie. Hein. Et on fait quoi? Est-ce que vous êtes sûr que... Allez, voilà, ça c'est fait. Okay. Ah ouais, d'accord. Vous êtes chaud. Hein. Quelqu'un finit de deviner. Je pense que c'était férié pour dire que la mairie était fermée. En fait, il essaie à faire un truc doux comme ça. Ouais. Si c'est ça, c'est finement joué. C'est pas que la mairie qui est fermée. Hein. Par exemple, je pense que les jours fériés, Hollywood, ils sont fermés aussi. Respirez. Bah, faut pas respirer pendant que tu manges une cacahuète, en tout cas. Là, Personnellement, je respire beaucoup par le nombril. Non, mais quand tu respires, ton nombril avance et recule. Peut-être que la créature de Frankenstein peut respirer par le nombril. Bien joué. Peut-être. Hein. Bon, on garde ça, je pense. Ouais. Bonne chose de partout. Et là, Jack, il doit se dire merde déjà. Ouais. Ouais. Mais c'est trop rapide. Même pas le temps de réfléchir. Mais c'est incroyable. Indice. Ça va te rester dans la tête toute la nuit. Et tu vas indice désirless. Alors cheveux. On a le droit de marquer ça. Bah, en vrai, oui, je crois. Je pense qu'il n'y a rien qui l'interdit. On a pas le droit au nom propre, je crois, je ne sais plus. Il m'a semblé, je crois qu'on a le droit, pour moi, il faut qu'un seul mot. Pas de mot composé, quoi. Imagine que names en allemand, comment cette règle, elle peut pas s'adapter. Alors, bah, mais ça fait qu'un seul mot quand même, c'est bon. Bah, tu fais un mot, c'est une phrase, mais c'est un mot. Hein. Tout à fait. Le code names en allemand, il doit être beaucoup plus simple. On va retrouver une autre chanson. Courage, Jack, je peux le faire. Nous croyons en toi. Là, tu nous fais un petit set. C'est ciao. Je vais éviter le set. Hein. Je ne suis pas. Masochiste ? Non, je ne suis pas sous morphine, tout simplement.
Tu n'es pas le dieu égyptien, du coup. C'est... Ouais, j'avoue. Voilà, voilà. Je suis pas un dieu tout court, non, d'ailleurs, si vous n'étiez pas au courant. Vas-y, check. Vas-y, Vassound, tu peux le faire. Je cherchais une vanne là-dessus. Vas-y, Jacques. C'est pas très très gentil, hein. Est-ce que ça peut... Quand tu dis Jacques avec cette intonation, j'ai l'impression d'entendre la marionnette de Bernadette. C'est exactement ça hein, que je fais. Jacques. Jacques. Non, ça part pas trop loin quand même. Ah moi je pensais un truc du genre Jacques, au secours, tu vois. Pardon. Non, non, je peux pas marquer ça. Quand est-ce qu'on joue? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Attends, ils en sont où les bleus exactement? Là, on est bientôt arrivés. Ils en sont où les bleus? Il a envie de faire pipi. Bon, alors, je vais pas prendre beaucoup de risques. Hein. Si c'est en 1, tu me déçois beaucoup. Est-ce que tu vas pas prendre... Quoi ? Je suis déçu. Oh. Non, mais il n'y a même pas besoin, je veux dire. Voilà, quoi. Est-ce qu'on peut faire un truc ? Parce que là, c'est un peu honteux, quand même. En 2, t'as même pas pris de risque, quoi. C'est un déconner. T'as même pas de beau jeu, quoi. Oh ! Qu'est-ce qu'à skip ? C'est marqué dans le chat à côté, celui qu'à skip. C'est Ralga. Oh, Ralga, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Oui, c'est Jacques qui l'a. Et il se moque de tout. Pardon. Endo, son pseudo, ça me pense à l'endométriose. Oh, c'est triste. Oh, c'est tellement triste. Waouh. Moi, je me dis, ouh. Oh putain, tu m'as détesté. C'est pas un truc sympa en plus. Non, pas vraiment. Dès que je vois Endo, c'est fini. Hein. Sauf que moi, c'est Endo. Avec un double B. Endo, copine, tu vois. Vous, Endo, hein, c'est... Ça vient de là, ton pseudo. Comment ? À vous, hein, ça vient de là, ton pseudo. Pas du tout. Alors que ça pourrait être Endo, mais ça pourrait être aussi en Ré, en Mi, en Fa, enfin voilà. Moi, de base, c'est Endora. C'est Endora, de base. Non, déconne, comme si je le savais pas. Et du coup, ça vient d'une... Sorcière! Allez, Endo! Allez, Endo! Vas-y, jeune sorcière, montre-nous la voie. T'as eu un pseudo aussi qui faisait presque référence aux cigarettes, Endo, à un moment. Du coup, le prochain indice, tu le fais Endo? Bah, Marvalo. Oh là là! C'est Marvalo, c'est vrai, oui. Endo. Et Marvalo, ça vient de Harry Potter, par contre, là. Ah bon? Marvalo, ouais, c'est le deuxième nom. C'est le nom de Tom Hattis. Tout le monde qui a parlé en même temps, j'ai rien compris. C'est le deuxième prénom en français, parce que sinon ça fait pas le jeu de mots qu'il y a dans le 2, de Voldemort. Ah bon voilà. En anglais, du coup, parce que c'est en français, c'est Elvis. C'est Elvis en français. Elvis, si tu sais. D'accord, je savais pas. Oui. Or on Marvolo Riddle. C'est l'anagramme Je suis Voldemort, du coup. Vas-y, Voldemort. Ouais, va traduire ce truc, quoi. Quel enfer. Alors, traduire pour être en allemand, c'est ça. Je le tente comme ça. Pensez à vous redresser à bien... Pardon. Wow. Alerte, alerte. Est-ce que c'est pas du Irak? Nous rappelons que nous sommes en direct en live, hein, je précise. Moi j'y vais. Qu'on n'ait pas de soucis. L'activité ne doit pas être censurée. Le mot disparaît. En plus, c'est pas bon. Ah bah bravo. C'est pas grave. On a eu les deux autres. Alors après, il faudra que tu expliques le 3 que tu as voulu faire parce que je t'avoue que. Voilà. Il est un peu plus. Voilà. Bah, j'ai un soupçon d'idée, mais c'est. Son idée, c'est limite. Voilà. Un faisceau d'indices. J'avoue, je vois rien d'autre. Il y avait grenade, mais. Moi, j'en vois potentiellement deux. Genre nombril, parce qu'ils se font sauter avec de l'explosif. Oh non. Ce que tu veux dire, c'est que j'ai vu, le monde n'est pas prêt.
Et sinon, les papillons, les licornes, c'est trop bien. Hein. Ah, je sais comment faire deviner ça. Attends, j'ai besoin d'un mot. Je vois ce que c'est dans la tête, mais j'ai pas le mot. Ils font des caca papillons. Pardon. Non, c'est un. Et ils font des caca papillons. Tout va bien se passer. L'Ostra ne joue plus avec l'hélium, c'est fini. Mais je ne joue pas avec l'hélium. Avec la drogue alors. Qu'elles sont pétées. Alors il y a roi. Ouais, il y a roi, ça c'est sûr. Il est fou. Je suis sûr que c'est mon pseudo dans la liste, il l'aurait coché aussi. Ah, une maison de fou. Pour parler d'un. Ah bah oui. Ouais. Les fous, la maison. Il y a que ça qui va. Hein. La maison qui rend fou. Le laisser passer à 38. Vous pouvez manger un menu avec le porc. Excellente référence. Aïe aïe aïe. On drink, man. Comment était la bête? Oh, elle était bonne. De toute façon, j'en vois pas d'autres. Je vois rien d'autre. Ouais. Vous êtes des sangliers tout le temps que vous êtes. Voilà. Non, effectivement, je pense qu'on voit valide roi en premier. Et maison, hein. En vrai, je vois rien d'autre. Attends. Sinon, mais alors, c'est capillotracté, mais le fou du roi, il fait des blagues, il fait des vannes. Il vanne tout le monde. C'est un peu le memento mori des puissants. Ah, vanne de fou. Wow. Du coup, entre ça et. Enfin, ouais, je sais pas. C'est plus qu'à pilote tracté, hein. Maison me palpite mieux, là. Ça te palpite plus. Moi, c'est une pour les deux. Oh, c'est dommage. Ah, putain. Toi, le vieux, il a pas l'air. Il est déçu de votre performance. Hein. Genre à dire kiff bourrico en plus. Et un déçu, oui. Je sais pas ce qu'il fout là. Vous avez Pierre. Ouais. Mais c'est pas possible, putain! Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, la tête de con? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Ça va très bien se passer. Je pense qu'on va le faire comme ça. Allez. Ah, c'est plus sympa comme indice. Rose. Oh là, ça me donne envie de vin. Mais c'est « et eux », c'est pas « et », Imra. Et alors? Est-ce qu'il peut être rosé? La rosée du matin, oui, effectivement. Alors ça, on va vite, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de des crevettes rosées aussi. Et après... Crevettes? J'hésite. Attends. Sans être plus sûr que ça. On valide, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Ou le crevettes? Et on a bulle rosée. Ouais, non, bulle rosée, j'y crois moyen. Le fameux manche rosé. La rosée du matin. La rose. Est-ce qu'on part du principe que la rosée c'est de l'eau et que du coup il y en a dans un vase? Il y en a aussi dans un oasis. Dans un oasis aussi. Oasis de rosée, ouais. Ça va trop loin. Il y a encore. Si tu ouvres la vanne, tu peux arroser aussi, hein. Ouais, mais je sais pas. Genre, je me dis rosée. Tu vois la rosée du matin sur les petites fleurs champêtres. Le vase, tout ce nom, mais après c'est... Sur les pétales. Hein. Il y a les petites bulles, les petites... Non, la rosée, ça fait pas... Mon cerveau s'est arrêté. Je vais cliquer sur crevette, je vais tenter. Crevette? Oh, déception. Moi, je dis... Moi, je dis mon vase, il était mieux que ta crevette. Faut pas te tromper, clique sur une carte rouge, s'il te plaît. Hein. Ça sera peut-être plus tard. C'est pas grave, on a de l'avance. Est-ce qu'il y a quelque chose de rosé à Hollywood? Je sais pas. Peut-être que quelque chose nous échappe. Ah, papa, rosé, popcorn. Il y a les fesses de beaucoup d'actrices aussi, probablement. Alors ça, moi, je dis que ça a beaucoup de prédateurs sexuels, surtout. Il y a plutôt dit les joues, la rigueur, mais bon... Quel bande de petits cons. Rosé, qu'est-ce que... On ne le fait pas dire. C'est un 10. Un manchot rosé. En toi, tu peux le faire. Vas-y, Jake. Mm-hmm. Jacques a dit un indice.
Un indice pour vous en bas de votre écran. T'inquiète pas, qu'en bas de l'écran, j'écris des choses. N'hésitez après, pas à jouer pour tenter de gagner les trois chèques en jeu ce soir d'une hauteur de 5000 euros. Attends, on est sur question pour un champion. C'est plus de 2,50 là. Tu gagnes soit des bouquins, soit une valise, attention. Allez, le Larousse est cinéaste russe du 18e siècle. S'il y avait le cinéma au 18e ? Non. Si. Moi, ça a commencé au 18e ? Au 18e, non. C'était au 19e. 19e, c'est vrai. Ouais. C'est plutôt fin 19e, d'ailleurs. 19e en plus, oui, fin. Très fin. Répondez correctement à cette question. Autant on emporte réponse A, le vent. Réponse B, la tartiflette. Envoyez la tartiflette. Ma tartiflette directe, moi je m'en fous. Hein. Une bonne grosse patate là. Envoyez un SMS ou je sais pas, c'est quoi le numéro machin chouette. Au 37-800, parce que c'est toujours des trucs à 5 chiffres comme ça. Au 8-13-13, non, ça c'était les 8 machin-machin, c'était tous les... 8-12-12, c'est pour les sonneries. 8-12-12, ouais. Ouais, ou toutes les pubs qui passaient sur la TNT il y a 10 ans. Oh, c'était insupportable en plus, ouais. Avec le message en boucle, les mêmes mots en boucle. Envie de personnaliser... C'est un truc genre, envie de personnaliser ton mobile ? Envoie personnalisation au 8-13-13. Personnalisation 8-13-13. Envie de personnaliser ton mobile ? Envoie personnalisation au 8-13-13. Personnalisation au 8-13-13. Exactement. C'est quoi le numéro ? J'ai pas entendu. Envie de trouver l'amour dans ta région ? Envoie love, B-I-T-E, au 6-12-12. Tu veux savoir si ta copine te trouve ? Envoie pigeon. Envie de perdre de l'argent, envoie ton RIB au 8-12-12. Ah, c'était quand même une drôle d'époque. Oui. Je vais acheter un répondeur. Ça, oui. Oh, il est bien joué, Jack. Il est bien joué. Cacahuète. Ouh, un billet de Vaudelaire. Je voulais une cacahuète. De toute façon, il y a Van déjà par rapport au mot d'avant. Ça. Mais après, est-ce qu'il a redit singerie ? Une singerie, c'est Van aussi. Est-ce qu'il a redit pour qu'on repense au bon mot ? Ou alors, est-ce qu'il y a encore un mot à trouver ? De toute façon, dans tous les cas, il y a Van. Ah, de toute façon, oui. Ah, sans équivoque, j'ai envie de vous dire. Je propose et... Enfin, je comprends pas. Bien joué. Ok. Et nous sommes sur une égalité parfaite. Je pense que nous avons... Hein. Non, et... Marc, non, on est... C'est un jeu. Il faudrait qu'ils en trouvent 3 d'un coup. En vrai, je pense qu'on a le temps. Enfin, sauf qu'ils ont quand même un tour d'avance sur nous. C'est-à-dire que là, ils trouvent en 2 tours. Sauf que ben, leur deuxième tour, il arrivera avant notre deuxième tour. C'est-à-dire qu'au prochain tour, Jack va devoir probablement faire deviner les 3 qui lui restent. C'est pas mettre la place sur Jack, hein. Après, hein, il va voilà. Ouais, ouais. Et est-ce qu'on partirait pas à Hollywood ? Vous voulez prendre un petit vol ailleurs, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de le piffer. Vraiment pas. Imagine, c'est la noire. On est dans... Ouais, non, je pense que fini de deviner, c'est bien. Ouais, je pense que c'est plus pertinent là-dessus. En fin de game, c'est dangereux. Allez, Jack, creuse-toi les ménages. Ouais, ouais, je cherche. Vas-y, Rando. Mais alors là, par contre... Bah, en même temps, si dans les mots à deviner, il y a nombril, pour l'un comme pour l'autre... Quel enfer. C'est ça. En même temps, là, tous les mots qu'il y a... Alors, alors les mots à faire deviner sont nombril, popcorn et caméléon. Allez, un seul indice pour ça. Yeah. On va terminer. Hein. Mais déjà, je suis quasi persuadé que popcorn et Hollywood, c'est deux équipes différentes. Sinon, ça serait trop facile de faire deviner cinéma ou un truc ou du genre. Pire, il y en a un des deux qui est genre une carte neutre ou la carte noire. Oui. Ouais, il y a une douille là-dedans, je pense, sur les deux-là. Oui, parce que sinon, ils seraient partis en cinéma en deux ultra rapidement. Ouais. Même Caméléon, hein, en soi, c'est un film. Hein. Une série. Série, ouais.
1963, les chercheurs d'une entreprise appelée le Centre ont mis en isolement un de ces êtres. Je vois arriver le Jarod en 1. Ah oui, j'avoue. C'était trop bien, moi j'adorais. Hein. Alors que c'était tout le temps la même chose, c'est terrible. Hein. Tu pouvais reproduire exactement le même schéma pour chaque épisode. C'est vrai. Alors que la série Jack 2.0 échappe in extremis aux agents du centre envoyés avec Miss Parker et Sydney et Brutes. Putain, Brutes. Brutes. Je reviens leur nom. Allez, je tente comme ça. Allez, non, Ça va être dur, mais. Donc t'as Jarod qui commence sa vie dans sa suite de vie dans une nouvelle ville où il prend un métier à la con, genre chirurgien ou maçon ou pilote de ligne. Et il découvre une injustice qui a été faite à quelqu'un. Pendant ce temps, Miss Parker a des états d'âme. Sydney reçoit un courrier de Jarod ou un appel, tu vois. Jarod visionne des cassettes. Visionne des cassettes en mangeant des pèzes. Des pèzes, c'est incroyable ça aussi. Les pèzes, c'était trop bon. C'est que du sucre. Hein. Puis ensuite, t'as un petit montage de 2 minutes 30 pendant lesquels Jarod prépare son plan pour réparer l'injustice qui a été commise à quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui a une influence, qui a été commis par un puissant. C'est dégueulasse. Bah, les bleus, c'est quoi votre réflexion du coup? Ouais. Mais moi, c'est marron. J'ai un peu du mal. Je sais pas, ouais. On est vraiment sûr que c'est marron, Mazout. Bah, Mazout, désert, oasis, quoi. Ça coule de source. Moi, je mettrais la vase, mais dans le sens. On peut penser à Tintin en Pays de l'Ornard, tu vois. Donc... Genre, moi, je pense que Mazout, tu vois, en mode, c'est dégueulasse, quoi. Non, c'est pas de la vase, non, je pense pas. Pour moi, j'en ai trois, mais... Enfin, pour moi, j'en ai deux... Enfin, oui, deux sûrs. Mais il y en a que deux, de toute façon. Ouais, t'en as deux et demi, quoi. Ouais. Ça se dit une bulle de mazout. Le mazout, il me semblait que c'était rouge ou genre rose pour moi, mais... Enfin, je sais pas. Donc je sais pas. Il est puisé directement au centre de la, enfin, au sud-ouest de la France. Sud-ouest. Qu'est-ce qu'il a contre le sud-ouest? Oh, toi que dis rose. Hein. Il aime bien les pains au chocolat du sud-ouest. De là à dire que Toulouse est une ville mazout. Je suis pas sûr ce marron du coup de mazout. Je suis pas sûr non plus en fait. Mazout, c'est genre un peu. C'est plutôt le pétrole qui est marron. Et alors, ouais, dès que je vois marron, je pense. Ouais. Voyage, je pense que ça pourrait être ça. Et pour le reste. Pas avec quelle logique vous arrivez à voyage avec mazout en fait. Et bah, genre, ça c'est du carburant. Et pour voyager, j'aurais tout du carburant. D'accord. Non. Enfin, y en a qui voyagent à vélo. C'est plutôt du fuel, c'est ce que j'utilise pour me chauffer moi dans l'appart. Donc, oui, voilà aussi. Il y a encore des gens qui se chauffent au fuel. Oui, j'ai raison. Ah oui, une vieille maison. Au fuel. J'ai un vieil appart. Franchement, voyage, je pense que c'est bon parce que je vois pas trop. Aussi. Ouais, à part voyage, je vois pas trop non plus. Allez. Valide de voyage. La carte noire. La carte noire. Bravo. On a un autre. Carte noire. On va prendre tout notre temps pour le trouver, d'accord? Carte noire, là, carte noire. La vase, le bulle. Les bulles de mazout. Bulle de mazout. Alors, si vous voulez du mazout faire des bulles, je pense qu'il y a un problème. Il est en courir là. Il faut s'éloigner en vitesse. Voilà, ça sent le bon. Ah oui, c'est quand ça fait bloop. Je sais pas. Popcorn. Dans la même logique que voyage, il y a vol, mais du coup, entre voyage et vol, il aurait fait un autre lien que mazout, je pense. Bah, vol, genre avion. Avion, ouais, voilà. Donc, ça me paraît chelou. Chaque théorie est plus capillotractée que l'autre, hein. C'est incroyable. Je sais pas. Bon, attendez. Manchot, il n'y a pas de rapport avec le mazout. Ouais, d'accord. Marron, du coup, non plus.
Par tous les manchots qui sont englués dans le mazout à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Non, mais en fait, il avait prévu que vous penseriez à marron et puis ensuite que c'est pas la même couleur. Et il vous a, c'est un indice pour vous dire de mettre caméléon parce que les couleurs changent. Non. Oh, le mastermind. Vase, il y a l'idée genre du truc visqueux dégueulasse. Vol, mastermind en ligne. Du coup, on a un rapport avec voyage, mais ça reste chelou. Nombril, à aucun moment t'as un nombril mazout, non. Popcorn, franchement, du popcorn au mazout, ça doit être grave dégueulasse. Hollywood, je sais pas. Bulle, c'est inquiétant. Caméléon, je vois pas. Et Oasis, non, non, je vois pas. Non, non, moi je pense que. Entre vase et vol. Vase, vol. Peut-être manchot aussi, si on pense à la marée noire et qu'il y a des. Ouais. Vase, ça fait deux tours que je veux le mettre. Franchement, je crois que je vais y aller. Vas-y, mets ton vase. Vas-y, mets ton vase. Faut se fixer là, comme ça, voilà. Yes. Oh, je vais aller. Bon, Jack, faut faire un 3. Hein. Là, ça devient très très sale. Hein. Oui, oh, bah ça va, on a le droit d'être fier de soi à un moment donné. Ça va. Hein. Voilà, elle a eu son base, elle a trouvé le Graal. On va bien se passer. Hein. Bon, pour le reste, par contre, il abandonne. Un récipient pour le mazout, le vase. Ouais, c'est jamais pertinent. Hein. Heureusement que c'était pas une pierre incandescente. Je peux pas faire un bocal en choix. Je peux pas du tout faire en 3, c'est pas possible. Autant trop kiffer. Va falloir kiffer. Il en faut au moins 2. Si je ne peux pas faire mon prêt 2, c'est mort. Tu peux nous le faire, tu peux le faire. Tu peux nous le faire faire. Au moins 2, on tente la troisième au pif dans ce cas-là, mais au moins 2. Oh, même 2, c'est chaud. Hein. Non, 2, j'ai une idée, mais. Je peux faire plusieurs associations de deux en fait. Mais pas trois. Mais si tu peux. Choisis une de deux. Si on peut tous faire des trucs à trois. Oh, rien du tout, d'accord. J'ai pas entendu, peux-tu répéter? Non, non, t'as pas envie. Hein, je demande de la VOD. Je pense que. Est-ce qu'il y a un truc pour adulte? Ça y est, Australix passe sous un tunnel. Mic. R. Waouh. Ah non, mais c'est pas nous, putain, je suis con. Bon, on est d'accord. Ouais, c'est direct, hein. Ah, mais vu qu'ils vont gagner, j'aurais dû vous mettre 3, je suis bête. Ben oui. Mais c'est pas grave, il faut quand même piffer. Ça nous empêche pas de piffer à 3. Hein. Ben non, ça veut dire que là, je limite les réponses à 2. Non, on a le droit à un troisième au pif. Ah, vous avez le droit à un troisième? Oui, oui. T'as toujours le droit à plus 1 de la situation. Qu'on a le droit à un petit plus 1 qu'on va utiliser. Moi, je pense que vous devriez aller vers marron. Pour moi, si c'était horrible à associer, c'est l'un des mots horribles. Genre nombril ou popcorn. En vrai, popcorn, c'est pas si dur à associer que ça, notamment à air. Enfin, pour moi. Ouais, mais avec bulle. Enfin, avec vol. Compliqué avec vol. J'aime beaucoup. J'aime bien le mot popcorn. C'est peut-être pour ça que je vais le mettre. Ça se trouve, c'est Oasis. Hein. Allez, au talent. Allez, merci. Alors, le fameux caméléon. C'est la deuxième fois que vous nous faites gagner. Hein. C'est de toute manière. De toute manière. Tour d'après, Ando aurait mis sucre ou maïs. J'allais mettre maïs. J'allais mettre maïs, mais voulez-vous savoir la réponse qui était pour mazout? En vrai, est-ce qu'on a le droit de mettre maïs, sachant que corne est une traduction de maïs? Pour mazout, est-ce que c'est ce qu'on a genre deviné ou pas? Mais en fait... pour rosé, c'était quoi du coup? Si autour d'avant. Excusez-moi, ça a coupé. Je disais donc, est-ce que vous voulez vraiment savoir quelles étaient les réponses pour mazout? Bah ouais. Vous n'avez pas donné les bonnes. Vous avez dit voyage et vase. Alors vase, c'est ça, oui. Mais deuxième, c'était popcorn. Ouais, popcorn. Rosé, popcorn, popcorn. Alors, mazout. Ne pas tomber dans le mazout. Ne pas retomber dedans, la référence à la vache. Ah ouais. Waouh.
Alors pour le coup, moi j'étais persuadé que Mazoul c'était pour marée noire et pour Manchot du coup. Pas du tout. Ouais, vraiment, pas... Le torticolis de neurones là, nom de Zeus. Ouais. En vrai, autour d'avant, si les bleus n'avaient mis qu'une carte, j'aurais mis Jarod en 1, clairement. Attends, du coup, t'avais quoi? T'avais caméléon, bulle et vol. Ouais. C'est compliqué. Hein. Fais des bulles de salon. Tout va bien se passer. Tout le monde... Et là, c'est l'heure où je vais me coucher d'habitude. Tout le monde connaît l'expression prendre un vol d'air, bien sûr. Bah exactement. Un grand vol d'air. Un grand vol d'air, ouais. C'est évident. Continue. Bon, Je propose d'envoyer Eleanora en espion. Ah, d'accord. Allez, oui. Non, attends, bah dans ce cas, celle d'après, parce que je voudrais jouer contre qui. Pardon ? Je voudrais jouer contre Eleanora, donc au tour d'après. Bon, bah, je vais en espion. Allez, Nostra. Comme vous voulez. Hop, Nostradamus, là. C'est parti. Nostradamus. Cette fois, c'est la guerre. Oh, mais guerre. Oh, ma guerre, colonel. Waouh. Ninja. Gnac. Flamme. Oh, cafard. Casserole. Ça me rappelle quelque chose, ça, cafard. Un Ostra. Terre, clou, radio, paris. Bonjour, tout le monde. Radio, but, truc, un mode casserole. Je trouve pas qu'il y ait de mots vraiment compliqués. Oui, je suis d'accord. Je sais pas, il y a Antarctique, il y a beaucoup de lettres dans Antarctique. Il y a un C, tu sais jamais où le mettre. Ouais. Ah si, quand même. Antarctique. C'est pas comme Cthulhu. Tu l'as mis où, les H? Un doute en mets un. C'était H. C'est comme Khrouchtchev. Quand t'as un doute, tu mets un H. Khrouchtchev. Je crois. Putain, tu me mets le doute. Khrouchtchev. Il y a deux H. Ah, il y en a même. Khrouchtchev. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a 7. Ce cher Nikita. C'est un Scrabble à lui tout seul. En fait, Khrouchtchev, au milieu, tu as C-H-T-C-H. C-H-T-C-H. Oh, si, bon, ça va, c'est mnémotechnique. Ok, oui. Et mettre un H également après le K. Le mec, il a appris l'orthographe juste en épelant son nom. Ah ouais, j'avoue. Le seul mec au monde avec 3 H dans son nom. Ce mec est le cauchemar des orthophonistes. Avec par son nom. Ça va, Nostra ? Ah, écoutez, je suis en train de faire mon petit post-it. Tout va bien. Ouais, c'est ça que j'ai pas post-it. Plus facile à écrire en cyrillique. Non, plus facile en cyrillique. Bah, y a moins de lettres. Vraiment. Forcément. D'ailleurs, je comprends pas comment tu es passé de 6 lettres en cyrillique à une pelletée de trucs avec des H partout. J'avoue. J'imagine que l'espèce de M à l'envers compte pour plein de trucs en même temps. Probablement. Parce que le XPY, je suppose que c'est le crew. Ouais, et le EB, c'est EV, quoi. Oui, ah, oui, oui. Ça, c'est normal. Et sans regarder sur Wikipédia, le prénom au milieu en cyrillique. Mais non, mais là, j'ai les deux sous les yeux, en fait. Ah, bon. Il y a un de tes mots. Mais oui, mais c'est que le P c'est un R chez eux et le R c'est pas un P. D'ailleurs, c'est pas un R. Pas évident. Hein. Il y a un mot chez toi, mais il me casse les ovaires. C'est pour ça qu'on a pas d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce que t'en sais ? Ah, mais t'as la prononciation phonétique juste après. Bon, écoute, je vais entendre un truc, mais vraiment, allez, hein. Foot en dehors. Oh oh. Comment je peux le valider ? Hein ? Allez, on valide. Après, je dirais radio. Des fois, c'est diffusé à la radio. Règlement.
Ninja pour Shaolin Soccer. Bien sûr. Ouais, c'est diffusé en masse aussi. C'est pas. Il y a plein de gens qui trouvent ça chouette. Il y a la... enfin, ça se passe sur la Terre. Frappe de l'éclair, on va tout cocher. Des clous sur les chaussures. On va tout cocher au hasard. Ah, et puis les footballeurs, ils portent des Nike requins. Non, mais il y a des clous sous les chaussures quand même. Ils ont des chaussures cloutées. Ouais. Bon, et après, bon, on peut mettre Paris pour Paris Saint-Germain, le foot, tu vois. Donc, Ah oui, pas faux Paris. Paris sportif. Et sous la pelouse, il y a de la terre. Je suis entre Terre et Paris quand même. Là, je pencherai pour Paris pour le coup. Et je prends Paris. Pouf, mmh, okay, Paris. Alors, pour être footballeur, il faut des os solides et donc il faut boire beaucoup de lait. Non. Bon, on s'arrête là. Et pas du lait, comme dirait Ralga. Ouais. Bah si, du lait. Non, du lait. Du lait. Du lait. Du lait. Du lait. Lait, 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 lait. Ouais, j'ai mis l'écriture de Nikita Sergeyevich Khrushchev en phonétique. Oh. La mise en page de Discord a du mal. Tu l'as fait bégayer le machin, non? Attends, depuis quand Zeus est une dame? On s'en fout que ce soit une dame, c'est divin, Zeus. Bon, ça va, c'est pas compliqué celui-là. Plutôt simple. Pour le coup, je pense qu'il y a éclair, évidemment. Ah, ou alors attends. Pas déesse. Paradis. Temple. Ah oui. Ah oui. Je partirais plus sur temple aussi, ouais. J'aurais mis radio. Ah, d'accord, ok. Merci. Ah, merci Seven Wonders. Hein. Ah. Du coup, ça me met dans la merde pour mes indices, mais merci quand même. Tu vas pas te plaindre. Un petit peu quand même. Vous avez pas eu un éclair de génie. Tellement spirituel. Oh purée. Oh, rage, le rire que j'ai entendu Philippe Bouvard sur qui saute qui sur sa chaise. Quoi. Vous savez exactement à quoi ressemble ce rire, visuellement et auditivement. C'est fou parce que j'arrive exactement à me l'imaginer en fait, c'est fou. J'ai vraiment la visualisation. Alors qu'en vrai, ça fait combien d'années que tu n'as pas vu Philippe Bouvard rire? Boulard, rarement. C'est la version du dimanche soir. Ou du premier samedi du mois, ça dépend de la chaîne que tu regardes. Parce que je te vois, Philippe Boulard, c'est plus le voisin du 3ème qui rabat toi. Et qui tape du balai quand tu fais un peu trop de bruit. Monsieur Boulard, la prochaine fois que je fais un jeu. Faut qu'avec Tony on se fasse un Raoul. Qui est le jeu de rôle qui sent sous les bras, et je créerai un personnage qui s'appelle Philippe Boulard. Oh, ça fera beaucoup de... C'est quoi ce jeu? Le jeu de rôle qui sent sous les bras. Et c'est un jeu de rôle où tu joues des beaufs. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un jeu de rôle en one-shot avec un scénario de... assez improbable où tu joues des beaufs. J'ai pas mieux. Ça donne envie. C'est bien déjà compliqué, c'est pas si. On doit se prendre quand c'est compliqué. On a de l'avance après. On va pas beaucoup quand même. Je cite, il propose d'incarner des beaufs, des gens qui vivent au rez-de-chaussée de la France d'en bas et qui passent leurs vacances d'été au camping. D'accord. Ouais, tout le camping c'est beauf, c'est pas vrai ça. Je suis d'accord, c'est pas spécifiquement beauf le camping. C'est chouette le camping. Alors par contre, c'est vrai qu'on retrouve les beaufs au camping, par contre. Beauf. Ça. C'est du patois, vous allez jamais savoir ce que c'est. Du patois. Allez, hop là. Patois, pas moi, pas lui, enfin voilà quoi. Oh. Et pas nous, hein. Les fameux panneaux. Toi. Oh putain. Et tout ce qui tout le monde était pas. Traumatisé par cette blague des panneaux. Oui. Alors là, le mec, il prend une douche, et là, qu'il s'y tombe. Ah, quelle blague de l'enfer. Un grand moment de solitude. On a perdu notre A ou bien. Je sais vraiment pas quoi mettre. Tout va bien se passer, hein.
Je fais ce que je peux, ok, mais c'est compliqué. Ah, tu peux pas beaucoup, hein. Ah, bientôt, on va nous dire qu'elle est pas là pour souffrir, ok, tu vois. Ah non, hein, quand même. Tu peux pas, c'est une marque déposée. Je vais tenter un truc, mais je vais essayer. Allez, on essaye, c'est parti. Tu ne mets pas Porto pour Portugal, s'il te plaît. Ouais. Non, mais Tartique pour Antarctique, tu vois. Ah, non, bah. Alors, ça peut être Michel. Chouette, les chouettes blanches. Paradis blanc. Le lait, c'est blanc. Règlement, c'est écrit noir sur blanc. Non, tais-toi. Le requin blanc. Les caninja blanc aussi. Oui, requin blanc, effectivement. T'es sûr qu'il n'y en a que deux, hein, Nostra, on est d'accord. Je suis sûr qu'il y a un nanar avec un ninja blanc. L'acier blanc, ça existe. Vous avez l'acier blanc aussi, ça existe. Je vois que possiblement il y en a d'autres. Je partirai avec un vrai qui s'appelle le ninja blanc. Est-ce qu'on validerait déjà pas déjà le lait? Le lait, je suis d'accord. Valide le lait déjà, ouais. Lait. Le lait. Ouais, le lait. Le lait. Oh, le lait. Pas le lait. Le lait. Le lait. Le lait. Voilà. Après, je partirais quand même plus sur l'Antarctique. C'est quand même plus blanc que le paradis. Le requin blanc. Cette phrase n'a aucun sens. J'ai envie de décocher paradis. Je l'aurais laissé pour. S'il y avait Vanessa en indice, j'aurais bien paradis. Mais je vais partir sur du requin, tu vois. Requin blanc, ça me paraît. Ça peut se. Non, après, la casserole peut être en fer blanc également. Hein, mais bon, on peut le coucher. Ah, fer blanc, Tintin, Chine. Ouais. Pourquoi Chine? Tout est lié. Oui, parce qu'au moment où il a Shanghai, il s'est poignardé par un truc en fer blanc. Alors, il y a Mitsuhirato qui tente de le poignarder et ça marche pas. Sinon, il y a Edwige qui est une chouette blanche. Non. Bon, bah ça d'accord. Peut tirer c'est pas les cheveux. Je prends pas le monde bon idée. Je vais tenter le requin. Je vais prendre. Notre on est quand même 3 sur Antarctique. Je le sens pas trop. Voilà. Ah, voilà. Ah, bon, on était 3 sur Antarctique. On aurait dû. Thank you very much, guys. Ça va faire de vous. That's incredible, thank voilà, you. Voilà, on est plus d'avance maintenant. Bah, on leur laisse une petite chance. Je suis très content d'avoir proposé requin blanc. Bah, moi aussi, tu vois. Non, plus, plus précise la prochaine fois. Je tiens à l'idée est tombée à l'eau, quoi. Je tiens à dire que c'est Plags qui a voté requin. Oui, bravo Plags. Mais tu l'as fait à chaque fois. T'as vu, je retourne ma veste une fois encore. C'est pas fiable. Je vais t'étaper. Un peu notre Dutron à nous. Référence de boomer. Oh putain, oui. Des boomers. Et dire que nous-mêmes nous serons les boomers de demain, tu vois. On est tous un peu le boomer de quelqu'un. On parle pas. Mais nous ne sommes pas. En fait, non, parce que de facto, on ne fait pas partie de cette génération. Par contre, on est les millennials, nous. On est totalement des millennials. Non, les 90, on n'est pas des millennials. Si, nous sommes exactement les millennials. Mais nous. C'est les 2000 qui sont les millennials. Ah, nous, non. On est ceux d'avant. Ça, c'est la génération Y. Non, c'est la génération Z, ça. Les milléniaux regroupent l'ensemble des personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90. Quoi? Sérieux? Oui. Ah non, c'est les post 2000, c'est la génération Z. Oui. Bah oui, mais les Z, moi, c'était les millennials pour moi. Ah non, moi aussi. Ah non. Non, les Z, c'est de la gueule des millennials, justement. D'accord, je ne savais pas. Nous sommes complètement des millennials. D'accord, je ne savais pas. D'accord, mais je suis déçu, je me barre de cette planète. C'est clair. À l'aube du troisième millénaire. Raconte. En 1999, on dirait la voix du nain dans un album. Pour tes 20 ans, quoi de beau, quoi de neuf. Ah, François Junot, quel artiste. Carotte. Les carottes sont cuites, on est dans une casserole. Ah, c'est pas nous, je crois que c'était nous. Quoi? Et les petits pois carottes, je suis d'accord. Casserole comme sa voix, je confirme. Je bloque ses paroles. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre. C'est sympathique. C'était notre ultime bafouille. Reprendre l'avance. On est allé trop vite. Merde. Ouais, on était tous d'accord quand même. Alors carotte orange, flamme. Mais personne ne connaît l'opération carotte. Non.
Bon, Barbarossa à la rigueur, mais... L'opération Cornet de Bif, je connais. On s'est planté. On s'est planté sur Zeus tout à l'heure, donc il y a encore un Zeus qui traîne, et on s'est planté sur le planter sur Carotte. Là, c'est pas ça. Hein. On s'est planté sur le vous blanc. Vous êtes trop spontané. Vous êtes trop spontané. C'est clair. De toute façon, c'est toujours, la faute des agents et jamais de la faute de l'espion. Oh, mais complètement. Exactement. Non, non, avant, je rejette la faute. Si, les agents sont tous d'accord, c'est la faute de l'espion. Ben ouais, l'Australix par exemple avant. Moi, je suis d'accord pour dire que vous avez été trop vite. J'ai trop d'idées, donc on va aller là-dessus. Qu'est-ce que ça peut être, les carottes du coup? Ah bah c'est bon. Ah. Et encore je suis Antarctique. Ouais, ça franchement, vous auriez pu mettre Antarctique. Hein. Pour blanc. Ouais, mais si c'était blanc, c'était paradis du coup. Faut pas mettre Antarctique. Ouais, non, ça, Antarctique doit pas être bon. Ouais, donc il vaut mieux finir là. Comment? Oh, oh hey. Non mais, non. J'étais sûr de mon coup. Alors attends du coup, parce que Zeus c'est carotte, mais qu'est-ce qui nous manque? Bah je pense qu'il nous manque DS pour Il nous manque la recette, parce que là... Ouais, Zeus éventuellement DS. Oh, attends, Féric. C'est quoi ce je mot? Je pense que tu peux dire Féric, mais je suis pas sûr. Féric ou Féric? Alors je crois que le mot... Tu as le droit de préciser ou pas? Ah, plutôt Féreux? Non, non, t'as pas le droit. Alors, copier... Féru-gineux. C'est vrai que c'est des gros bateaux qui. Que si c'est lié au fer, donc oui, acier et clou, je suis d'accord. Mais si c'est fait Eric. En même temps, il n'y a rien de fait Eric là-dedans. Ça fait nom de. Nom de joueur portugais. Enrique Ferriques, toi. Allez, tu vis au talent. Voilà, hein. Ok, et du coup, qu'est-ce qu'on kiffe? DS. Ils ont une belle diagonale rouge en plus là. DS pour Zeus. Alors est-ce qu'on peut revenir vite fait sur la carotte, le temps de réfléchir 3 secondes? Des carottes, orange, flamme, c'est seul que je vois. Dans la terre? Tous dans la terre, ouais, ouais. Ah oui, ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'on a plus... On est plus sûr de DS que de terre. Oui, 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 ça clairement, oui, bien sûr. Okay. On peut pas piffer plus parce qu'on en est à 2 plus 1. Nostra, faut que tu tentes en 3. Quelle remontée? Ah, faut le tenter en 3. C'est possible. Je peux pas. Faut le tenter en 3 parce que je pense qu'ils vont avoir les deux autres. Je te jure que c'est pas possible. Et ben, il faut tenter quand même. C'est pas grave, on va piffer. Moi, j'ai confiance en vous. C'est de faire en 2 et puis on piffera le 3ème. Je suis convaincu qu'Antarctique est dedans. Oh là là, c'est stressant. Oui. On fait que des matchs serrés, hein, c'est intéressant quand même. Ça marche discret. Bah, Ninja. Démarche discrète pour les cafard. Voleurs qui s'approchent. Cafard. On part sur d'abord Ninja. Ouais. Ouais. Allez. D'accord. Ok. Ok, bon, le dernier ça va être chaud. Faut trouver le dernier. Je maintiens. Non, je opération discrète. L'opération ça peut être discret. Non, mode discret. Le mode discret. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas de rapport. Mais de discret, on les a déjà eus. Je pense qu'il n'y a pas de rapport avec le dernier en fait. Je pense que le troisième faut le piffer. Je tente. Et voilà. C'était. Je te l'avais dit. Je voulais en être sûr. Voilà. Je te l'avais dit, c'était sûr. Alors perso, moi j'étais persuadé qu'Antarctique il était pour blanc. Ouais. Ouais, mais je comprends, mais j'ai fait gaffe. J'ai vu qu'il y avait Antarctique et je tombe à mais oui, mais je pense qu'elle n'a pas fait gaffe. Il a juste dit paradis. Blanc, puis, fait à ça attention sur blanc. T'as pas fait non plus attention au fait qu'il y avait requin, qu'il y avait aussi chouette, qu'il y avait aussi. Bref. Non, en fait, c'est ça. Que je comprenais pas trop, il y avait ni en partie. Ouais, pour le blanc. C'est ça que j'ai. Pas, les gars, on y va. Règlement. Ils vont pas trouver, c'est bon. Et mais puis si on se trouve. Terre pour la carotte. Mais si, ils ont trouvé, je pense. Doucement.
Bon, règlement, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est module, le mot pour droit. Oui, oui. Bon, j'aurais mis cafard, moi, tu vois. Et pour carotte, la terre. Le retour à la terre. De toute façon, radio carotte, ça n'existe pas. Non, radio carotte. La radio préférée de la rue. Alors, juste, alors, radio carotte, ça existe peut-être pas, mais radio radis, ça existe. Je le précise. Non, pour de vrai, ce sont des ateliers radio et ça existe. Alors, carotte mode. Mode carotte. Dans le poker, tu fais un carré d'as, pas une carotte d'as. Opération carotte, carotte opération, on dirait un nom d'opération dans taxi. Non, SS. Opération carotte, on dirait le nom d'un dessin animé nul qui passerait sur France 3. Non, on dirait le nom d'un film avec Christian Clavier. oui. Et Jean Reno. Non. C'est opération cornet de bif, ça, non? Oui. Alors, t'as les. Ou sinon, attends, c'était. Les bœufs carottes, c'était avec qui? C'était une série avec. Non, c'était pas une série, c'était. C'était une série de téléfilm. Ah oui, bah, de téléfilm, c'est pas avec vrai, Jean Rochefort. Ah oh, oui, c'est tout gros. Oui, mais il y avait qui d'autre? Attends, comment il s'appelait l'autre? Ah putain, je confonds avec les ripoux. Oui, c'est Jean Rochefort et Philippe Carrois pour. C'est Thierry Lhermitte dans les ripoux. Oui, mais avec. Je pensais du coup. Masse, carottes en masse, les masses de carottes. Ah, bien vu. C'était chouette. Joli. Ouais, c'était le pire. La pousse magique, c'est juste pas. Mais ce qui était affreux, c'est que genre pour chouette, temple et tout le bordel, genre j'avais Athéna, je me disais ça passe, ouais, et puis c'est chou. PS en face, donc ouais. C'était pas. Et non, parce que j'étais pas si loin avec ma chouette blanche de Edwige Harry Potter. Ouais. Pu l'avoir. Paradis, en vrai, ouais, t'avais un beau petit lien. Mais... Alors, les explications de blanc, du coup, pour Nostralix. Blanc, putain, je m'en souviens plus, 2 secondes. D'accord, merci Nostralix. Paradis, il y avait lait. Et voilà. C'est tout, parce que c'est en deux. J'avais pas pensé au reste, hein, à ce moment-là. C'est que 2 blancs, ouais. Voilà. Pouvons-nous faire une petite pause? Ouais. Bien sûr. 3 minutes. Ah non, on a déjà pas encore... Putain. Tu as même le mot discret. Il reste 2 personnes qui n'ont pas espionné en la personne de Mr. Green et Eleanora. Effectivement. Bah, comme ça, c'est déjà défini. Mais une petite pause de L'équipe verte contre l'équipe des Diables Rouges. Je tiens déjà à m'excuser pour la défaite de mon équipe. Mais non. Je tiens déjà à m'excuser auprès de mon équipe pour mon esprit de déduction différent. En vrai, ça va. Et moi donc, pareil. Bah, on a tous. On peut faire une pause du coup. Mais vas-y, t'as 3 minutes. Je pars très loin. Très très loin. Bref, petite pause. Bah, en attendant, à voir. Du coup, Jack, maintenant que mon pseudo est devenu une unité de mesure pour ce jeu, à combien, à quel niveau est situé les 2 équipes, en fait? Ou alors là... Il y a quand même des choses qui s'équivalent. Ouais. Donc je dirais que vous êtes à 1 plagues et que nous, on est à 1,2 plagues. Je sais pas. Nanarland, le ninja blanc. Ah mais c'est un vrai film. Oui. D'accord. Bon, le temps que nous sommes en pause et que je n'ai pas envie de mettre l'écran de pause, discutons un peu. Imra, quelle est ton actualité pour cette semaine? D'accord, merci Imra. L'actualité se résume à la pause, je pense. Non, parce qu'il a fait son planning de stream il y a à l'instant quasiment, donc c'est pour ça. Jack, est-ce que tu as déjà testé les jeux de type gacha ou pas du tout? Genre Genshin Impact, par exemple. Alors testé oui probablement il y a très longtemps, mais sinon je sais pas vraiment les jeux auxquels je joue.
Là, en ce moment, je suis surtout sur des jeux société, plateforme et des jeux qui portent des messages. Portent des messages. Ouais, c'est des simulateurs de facteurs en fait. Donc, ah oui, c'est pas. Non, c'est pas vrai. Non, non, mais des jeux vraiment qui portent des messages assez sympas sur l'environnement, que ce soit des états émotionnels, que ce soit plein de choses de ce genre-là. Parce que mine de rien, le jeu vidéo est un outil très ludique sur lequel on peut s'appuyer pour faire de la sensibilisation autour de plein de choses. Et j'aimerais bien que les gens, d'une manière générale, arrivent à comprendre tout ça. Donc, bon. D'accord. Pourquoi vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé dans le canal ? Il y a Eleanora qui a déco du Discord, donc je l'ai re-switch. Merci. Ah d'accord, ok. Ah, ça fait deux fois qu'il me fait 102 jours, le Discord. C'est toi. Étrange. Étrange. Bah du coup, sinon, tant qu'à faire de la pub, demain, il y a un stream sur Farlon Sales à 14h, qui est un jeu en one-shot, hein, 3h, 4h, ça sera fait. Et Et c'est un jeu qui... il est métaphorique de la surindustrialisation et du coup des dégâts du climat. Et donc de la solitude au passage. Et on verra la semaine prochaine, il y aura d'autres choses. Hein. Et ainsi que d'autres émissions radio qui arrivent par la suite. Oui, je bosse quand même, mine de rien. Imra, puisque nous sommes en parenthèse, t'as ton actualité pour cette semaine. Imra, t'as dit heureux. Non, c'est moi qui dirai. Ah, c'est Monsieur Vert qui a dit. Alors, Monsieur Vert, ton actualité pour cette semaine, les semaines à venir. Mon actualité pour cette semaine, oulala. Je stream jeudi soir et je ferai du Jedi Fallen Order. J'ai repris une run. Un objectif de m'entraîner pour tenter de le speedrunner un jour, même si je sais pertinemment que ça n'arrivera jamais, me connaissant. Et donc, il y aura ça jeudi et dimanche soir, les deux soirs. D'accord. Waouh! Bon, les autres, je vous demande pas. La procrastination, Mister Green. Hein. Oh là là, tellement. C'est ta connaisseur qui te parle de ça, hein. Ah, Ralga. En vrai, moi, ça va, je crois. Ah non, mais. Ah non, Ralga, il bosse. Non, mais Ralga, c'était son avatar sur Rivalis à l'époque, avec le robot procrastinate. Ah oui, on est en liste, bonsoir. Ah, le retour d'Imra. Voilà. Donc Imra, du coup, on termine la parenthèse avec toi. Ton actualité pour cette semaine? Moi? Bah oui. Mon actualité? Oui. Stream. Stream quoi? Dark Souls, mercredi, jeudi, vendredi, dès 16h. Et dimanche, c'est la fin de Tomb Raider 3, enfin. Wow. Et donc, Et donc dimanche soir, à la fin du stream de Tomb Raider, vous allez voir Imra vraiment se décomposer quand il va voir le prochain jeu rétro qu'il va faire. Il n'est pas au courant. Tu as un truc en petits oignons. Exactement. C'est toi qui as choisi, Jack. Oui, alors je spoil, ce n'est pas les schtroumpfs. Les schtroumpfs, je nous le réserve. Oh merde. Non, c'est Tintin au Tibet, tout le monde le sait. Non. Est-ce que tu peux me l'envoyer en MP, Jack? Je serais une tombe. Je serais, mais. Je te l'envoie. Au pire, je peux m'en assurer qu'il reste une tombe. Je suis reviendu. Oh. En un stream, c'est faisable. Vas-y, envoie-moi ça en MP aussi, tiens. Je suis extrêmement curieux. Moi aussi. Ça, mais c'est une conspiration. Tout le monde qui sera au courant se filmera le pauvre. Pour la peine, je mange. Voilà. Bah, beaucoup de bon appétit. Manger, c'est tricher. N'est-ce pas, Nostralix? Oh, ça va! Tricher? Attends, j'ai pas triché cette fois, c'est quoi cette histoire là? Allez, bon, reprenons la partie. Nous avons un espion, Monsieur Vert et Eleanora. Monsieur Vert pour l'équipe rouge, bien sûr. Le club de Seymour. C'est les rouges qui commencent. Si triche, ça va être sur moi, non, mais j'en ai marre, hein. Okay. Putain, c'est quoi ces associations de merde? J'ai des choses là. Il y a des trucs qui ont l'air plutôt sympas. Alors, attends, toi tu peux faire deviner des trucs. Moi. Ah non, pardon, ah non, moi je peux faire deviner. Non, pardon, je regardais les bleus. Ah oui, je regardais les oranges, moi.
Alors vu que c'est écrit au centre de l'écran, vous pouvez faire un don à l'association via Hello Asso. Donc n'hésitez pas. Faites des dons. Des dons 637. Ah non non, c'est les dons, c'est dans 6 mois là. Un peu plus même que 6 mois. C'est-à-dire que des dons. Du coup, s'il y en a qui font des dons, on peut dire que ce sont des dons juants. Alors, Ok. Ça va pas être trop compliqué à faire deviner, n'empêche tout ça, en vrai. Ouais, mais le truc, c'est que la question des... C'est bien ça le problème, hein, je pense. Je pense qu'on a toujours cette impression quand on est agent. Je pense aussi, c'est pas simple. J'ai toujours cette impression quand on est agent. D'accord. Comme des pruneaux. Comme des pruneaux. Agent. Ça vous va bien? Oui. Très bien. C'est quoi, oh putain, les ravages de la pub, quoi. Juvamine. 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 C'est Juvamine. Oh la vache. C'est les pubs répétitives, quoi. Ça. C'est ça. Mercurochrome. Pense-moi des héros. Qui est-ce qui est-ce la bière qui chasse. Oh putain. T'avais la pub aussi pour... Avant MP, c'est vraiment la mort. Bon. Ah. T'avais la pub aussi avec les cachets, l'écharpe rouge, là, je sais plus comment ça s'appelle. Oscillococcinum. Oscillococcinum. Le médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Homéopathique dans la même phrase. S'il vous plaît, respectez. En plus, une fois d'orthographe. Sachant que pour le coup, c'est des viscères de canard macérés. L'homéopathie. Oui. Alors, peinture en deux mots. Écrit par Mr. Green. Je trouve que c'est plutôt approprié. Alors, par contre, ouais. Là, il vient de balancer son clavier en voyant qu'il y en avait trois qui collaient tellement bien. Et là, c'est les drames. Et j'ai pas fait attention. Je mettrais plus tableau étoile que tube, quand même. Moi aussi. De toute façon, tableau, pour moi, c'est le plus évident des trois. Imra, ce que t'en penses? J'aurais mis toile et tableau, et je n'aurais pas mis tube. Que tube, ça fait plus musique que peinture. Donc moi, j'écris là et là, voilà. Alors on peut commencer tableau déjà, voilà. Bravo. Et toi? Bravo. C'est gagné. Et Léanora, si jamais il y a des chaussettes pour nous, la même couleur, tu mets Nullbuck en indice, s'il te plaît. Chaussettes. J'ai pas grand chose en fait là. On note que Eleanora peut être belge à faire deviner. Oh, ce serait pas mal. Dans ce cas-là, juste à mettre moi, tu vois, en indice. My God. Ce serait très drôle. Mais ce serait en un du coup. Ouais. D'accord, si tu veux. ça serait très drôle que noir soit la carte noire. J'y ai pensé avant, mais j'ai pas osé le dire parce que bon, la semaine dernière, j'ai déjà fait une gaffe. Donc... Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait? Non, 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 c'est bon. Des bêtises. Le Strel sait ce que j'ai fait, mais Ando, il le sait. Si, j'ai vu la vidéo. Ah merde. T'as déjà vu la vidéo? Elle est sortie tout à l'heure. Non, non, elle était en interne aussi. En interne, il y a le clip. Oui. Ah d'accord. Ah oui, le clip, oui, pardon. Le fameux clip. Le clip. Le fameux. Ça serait con de tomber sur le noir et de l'avoir dans le cul. Hein. Bam, bam, bam. En parlant de l'avoir dans le cul, pourquoi pas plume? Ah bah dans ce cas, on part au Brésil. Bah oui, les coqs et les poules le vivent très bien. Hein. Et les paons. Oui, et certains oiseaux aussi. Faut pas dire tous. Et les émeux. Ça m'émeut. Oui, oui. Oh. Oh. C'est trop mignon. Oui, c'est trop mignon.
pendant ce temps-là, Eleanora est en train de lire toutes ses cartes bleues. Je suis complètement bloqué. Effectivement, je crois les lire en boucle. Et je vois que pas de lien entre. Ah. Et ce n'est que le début. Il trouve pas de lien, on peut appeler Zelda. Non, c'est compliqué pour lui, le coup. Oh là là. Quelle blague de geek. De rien. Tu peux le faire. On croit en toi. Et on veut pas couper le stream avant 2h du... après 2h du matin. On va être en mode Fort Boyard. Prends ton temps, dépêche-toi. C'est ça. La clé de cidre. La clé, le fort. Reviens. Comme la semaine dernière. Quoi. On peut le faire au cas où, si vous Compétence. Enfin, tu me diras la semaine dernière, j'ai sorti de vicissitude. Du coup, il y a deux compétences, il faut un S à compétence. Ah, je trouve donc. Ah, oh, Imra, hein. Il y a l'adresse aussi. L'adresse, ah. Je crois que camper sur le don. Pour le don. Ah, oui, ok, oui. Non, c'est une compétence, un don. Enfin, je sais pas, c'est peut-être tiré par les cheveux, hein. Je sais pas. Compétence au skill aussi, peut-être. Je pense que l'adresse, parce que l'adresse mettra droit. Alors, je tiens à préciser un truc. Mettre ses chaussettes, c'est une vraie compétence quand on a une hernie discale. Et franchement, ça me fait beaucoup rire que chaussettes soient dans les mots. Mm-hmm. Et, moi, quelque part, le terme jovial du terme est pas me semble approprié. Je suis pas sûr de l'épée. Le ski. Je suis vraiment pas convaincu. Je parle pas un peu du ski. De l'épée. Je peux valider l'épée pour voir. Ah non, j'aime pas l'épée. Vous avez chef aussi. Hein. Allez, moi je valide l'épée. Parce... Voilà. Chef, ça c'est chef. Pas du tout convaincu pour ça. C'est moi. Et après, du coup. Non, c'est synonyme de compétence quelque part. Hein. Pas faux. Même si un don, c'est un peu plus inné, ça induit que c'est inné. C'est vrai. Mais bon, je sais pas, je trouve qu'il va bien, là. Max, quelque chose à ajouter, peut-être. Je pense qu'il est que l'adresse... Et je pensais aussi à un chef, par exemple, tu vois, un chef qui va demander des compétences à celui qui... Enfin, un chef à recruter, qui demande des compétences. Je sais plus entre don et adresse, du coup. Pour choisir entre don et adresse. Ah, moi, adresse, je sais pas. Je sais pas. Mettre à droit, c'est une. Moi, je coche plus rien. Si on va dire, je suis encore moins place que moi-même. On est en tout cas que don. Allez, c'est bon. Oulala, wow. Ah, incroyable. Wow. Adresse, c'est très logique. C'est bon. Et Anora, tu peux respirer. La fille devenue aussi. Breathe. C'est quoi ce mot? Ah d'accord, oui. Non, bon, je l'ai. Alors, est-ce qu'on peut me donner la signification? C'est la bouffe des elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Elfique. Facile du coup. Oh, pire. Si c'est du pain elfique, ce serait peut-être du blé pour la farine. Moi je pensais que ça s'écrivait qu'un A à la place du E, tu vois. Moi je pensais lambas, tu vois. Mais... Non, c'est du lambas comme ça, je crois. Lambas, ouais. Et par contre, avec les gambas qui sont des crevettes, des grosses crevettes. C'est quoi ces grosses crevettes? Omar. Obélix. C'est croquant au milieu. C'est un noyau. Une grosse fourmi. De toute façon, il y a elf. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a elf. Vas-y. C'est évident.
Et voilà. Et tu fais le lambas. Du pain de lambas. Allez. Du pain elfique. À toi, du pain. Alors. Si seulement il y avait Équateur et Brésil à faire à deviner ensemble. Michel Montaigne. Michel, c'est non, pas Michel. Gilbert. Viens danser. Sous le soleil de tropique. Il y a quelque chose de magique. Heureusement, c'est pas assez bien pour que ce soit des MCA. J'avoue. Bah là, il n'y a aucun risque. Hein. On fait ça exprès, hein, sinon on le chanterait bien. Hein. Non, on est tous des grands artistes ici. Écoute, j'ai encore quelques archives de quelques années, hein, de karaoké sur un certain serveur WoW. Oh non. Si, si. Ah. Pour ça. Bien sûr, il y a deux karaokés sur YouTube. Je vais voir ça. Il n'y en a que deux, c'est déjà pas mal. Il me semble que je ne chante pas. Il me semble que je chante peut-être dedans. Ando, je suis pas sûr, parce que ça remonte à 2011-2012. Ah non, j'y étais pas en 2011, j'arrive en 2013. Pardon ? En MP, je te dirai si t'as le droit de l'utiliser ou pas. Ouais. Rien que pour ça, je suis content de pas y avoir participé. T'es où ? T'es là. Attends, ça c'est clair, ok, je chante dedans ? Ouais, j'ai un doute. Moi, je chante pas, hein. J'ai un doute de toi. Est-ce que tu avais chanté la chanson « Adieu, monsieur le professeur » intra-staff ? Tu as reçu ? C'est possible. Ouais, attends, alors, je sais si plus. Tu as fait ça, tu as probablement fait les karaokés. Ouais, je la retrouve. Je la retrouve, en gros, j'ai deux clics à faire. Mais... Je me rappelle avoir participé à des blind tests où j'ai atomisé tout le monde. Ah oui, mais ça, c'est... C'était le but en même temps, t'étais sur le fauteuil rouge sur France 2 là. Mr. Green, tu as reçu ? J'ai reçu, mais je suis pas. Attends, là je suis sur les règles, et je regarde les pénalités en cas d'indice invalide. Alors, ce n'est pas une partie du même code, ce n'est pas un mot de la même famille, ce n'est pas un homonyme. Ce n'est pas une traduction, ce n'est pas un mot déjà visible sur la table, ce n'est pas un mot qui se rapporte à son emplacement, et ce n'est pas un chiffre qui se rapporte au nombre de lettres. Donc, ton mot est éligible. Ok. Éligible. Fibre à la fibre. Pas comme Balkany. Élie, Marron. Poil. Châtaigne. Les petits larrons. Chouette. C'est moi. En deux, je pense que c'est noir et châtaigne. Rapide. Bah, pourquoi noir s'il a dit marron, du coup ? C'est une couleur. Le pétrole, c'est plutôt... Bah non, c'est plutôt bleuté, noir, un peu. C'est bleu, noir, ouais. Ouais. Bleu pétrole. Au hasard. De quoi ? Non mais définir la couleur du pétrole alors qu'il y a le bleu pétrole qui existe comme couleur. Oui, bah non mais c'est vrai que c'est très con. Excusez-moi. Il n'y a rien d'autre qui me convient. Donc, Oui. Parce que ça me fait rire, mais ah, d'accord. Oh bah non ! Moi qui valide le mauvais, bordel de merde. Les gars, les marrons aussi, ça existe, mais... Je suis inférieur à ma propre unité. Je suis pas à la poêle, les marrons. Je mettrai chaussettes.
Attends, tu parles des marrons châtaignes de Noël, là? Oui. Bah si. Ah bon? Moi, je sais pas, j'aime pas ça. C'est un grand, grand wok, c'est une poêle. J'adore les marrons. C'est dégueulasse. Marron, alors, marron glacé, j'adore. Hein. Crème de marron, j'adore. Hein. Bah, je marron chaud, j'adore. Dans ce cas, je te conseille de goûter le cassoulet glacé. Horrible. Non, alors déjà, j'aime pas le cassoulet de base, alors ça dépend ce que c'est que cette merde. Bah, ça n'a rien à voir avec le cassoulet, on a appris ça cet été. Ah, bah ça va alors. Qui est honteux, c'est un nom. C'est, en gros, c'est beaucoup de sucre et de nougatine. En gros. Sympa. C'est du sucre, ça se mange. Ce qui me fait penser que je n'ai toujours pas fait la fausse pub Castelnaudary. Oh, je la fasse quand il fera beau. Ah, Mr. Green, tu survis? Et Léa qui a envie de pleurer actuellement parce que le deuxième mois de mort. Non, non, du tout. On n'est pas dans une bonne position quand même là. Peut-être que si tu mélanges toutes les couleurs du drapeau belge, ben ça fait du marron. Peut-être. quand tu mélanges n'importe quelle couleur, ça fait toujours du marron. Ah non, c'est pas vrai. Si tu mélanges... Désolé, mais quand tu mélanges de la pâte à modeler de toutes les couleurs, à la fin, ça te fait un truc informe marron. Un barbe à papa, quoi. Marron. Ouais. Les papa. Ok. Bah, tac. Chaud en vrai. Non, alors, non, pas poil. Tac. Pourquoi pas poil? Parce que c'est leur mois à eux. De quoi, c'est notre mot à nous? De quoi? Quoi? Oui, par rapport au marron. Ah ouais, non, mais ça peut chercher, non? Je suis pas sûr qu'on a encore mis. Moi, pétrole et chaussettes. Ah, je pétris épaule pour épaule d'agneau aussi, tu vois. Pétrole et chaussettes, ouais. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a chef. Oui. Oui, chef, c'est sûr et certain. Cauchemar en cuisine. Après, ce qui me perturbe, c'est qu'il a mis cuisinier et non pas cuisiné. Ou cuisine tout court. Ou cuisine tout court. Parce que si on va par là, de l'épaule, c'est du jambon. Hein. Ouais, mais je pense que c'est trop loin. Parce que, après, oui, épice, c'est ce qui semble le plus proche, même s'il y a poil à côté qui est perturbant. Et chinois, c'est l'espèce de passoire très fine. De tamis, quoi. De tamis, ouais. C'est ça. Puis la cuisine chinoise aussi, un restaurant chinois. Aussi. Asiatique. Bon, mais dans ce cas, la cuisine belge. Ouais, mais du coup, qu'il ait mis chinois me fait plus penser à cuisinier que à cuisine, tu vois. Mais c'est vraiment très capillotracté à essayer de deviner pourquoi il a mis cuisinier plutôt que cuisine. Imra, t'en penses quoi? Moi, je serais plus sur épice. Ça me paraît plus logique par rapport au reste. Je serais plus sur chinois, mais vraiment pas non plus ultra catégorique. Et Google, pile ou face? Chinois, c'est vraiment parce qu'on a de la nourriture asiatique, mais tu vois, ça pourrait être comme n'importe quelle autre nationalité. Putain. Oh yes! Putain, oui. Merci! C'est pas poil! C'était la poêle, aïe aïe aïe. Mais pourquoi poêle à marron? Bah, poêle à marron, enfin, c'est évident. Mais non! Non, c'est des pétroles! Eh ben, pétrole, c'est pas marron. Oh non! C'est la faute. Jamais, quoi. Ouais, pour le coup, c'est la faute à Google. Mais attendez, il est 23h là? Ouais. Oui, moins 5. Et donc c'est un peu l'heure que j'allais me coucher, quoi. Oui, oui, tu disais ça la semaine dernière. Bah ouais, mais là, je suis désolée, les enfants, mais demain, je me lève à 6h, quoi. Hein. Ah, oui, okay, dans ce cas. Bonne nuit. Je vous aime beaucoup, hein. C'était une jolie petite soirée. Hein. Venir la semaine prochaine, on remet pas. Adieu. Mais oui.
Est-ce que quelqu'un d'autre part ou reste? Repose-toi bien, Nostra, bonne nuit. Moi, avec la tête à moitié dans le cul, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir aussi. Je vais vous laisser aussi. Ah, bon, ah, d'accord. En ce cas, ouais, vous aime pas toutes les manières. Moi, je vous aime plus. Vous aime... J'aime plus Ralga parce qu'ils ont, ils ont fait perdre la partie. Voilà. Je suis désolé, poil à marron. Je maintiens, c'était évident. c'est pas parce qu'en face, il a oublié une association d'idées que c'est son mot. C'est vrai, en fait, on s'est engouffré là-dedans pas le moment où on a dit poil, c'est l'équipe d'en face, on s'est tiré une balle en fait. Dommage. Terrible. Ah, pour le coup, c'était jouer avec le feu. Hein. Ah, je comprends pas pourquoi t'as pas essayé de taxi depuis le début. Comment? Parce que. Mais non, c'était un blanc, donc c'est pas grave. Oui. Et si je mettais taxi pour chauffeur New York, sauf que si quelqu'un met chauffeur et adresse, bah, je perds un tour. Non, c'est donc pas grave. J'attends. T'adresse au pire. Je peux le mettre plus tard, c'est mon problème ça. Taxi, j'aurais tout allé sur New York et chauffeur tout de suite. Sans souci. Ah, bah ça, oui. Je sais pas. Enfin bon, quand tu vois que je suis dans une équipe qui ne prend pas poil pour cuisiner. Bah, je suis désolé, mais quand il y a l'équipe en face qui ne pense pas à poil quand il y a marron. Oui, bah ça. Excuse-moi, mais le deuxième mot, c'était pétrole. Hein. Donc c'était compliqué. Ah, c'est à ça que ça ressemble, à ton poil à marron? Incroyable. Pour le coup, c'est réellement un ustensile en fait. C'est réellement un truc que je connaissais même pas. C'est hyper précis. Bah, c'est une poêle dans laquelle tu mets tes marrons et tes châtaignes, elle est pleine de trous et tu les mets au feu. Normalement, tu mets pas des marrons, tu mets des châtaignes. Hein. Les marrons, c'est tu manges ça, tu t'es malade. Les châtaignes, je sais jamais. Hein. J'aime pas ça, donc, à partir de là. Tu as bien raison. Et sinon, Eleanora, tu avais américain pour rêve et Brésil. Oui, mais il y avait New York avec. Ah putain, mais oui. Aïe aïe aïe. Toujours à moi trop. À la rigueur, s'il y avait eu Belgique à la place de Belge, j'aurais pu faire ce bon pays. Ouais. Non, t'avais l'Équateur. Ouais, t'avais l'Équateur aussi. Non, c'est pas grave, c'est toi, c'est un blanc, c'est pas grave, t'aurais pu tenter. Après, il y a même chinois si on veut aller par là. Ouais, mais si tu mets vraiment. C'est une nationalité, ça. Ouais, voilà. Ouais, mais bon. Ouais. Bon. Bonne gens. Ceux qui partent, passez une bonne soirée. Je vais aller aussi. Des bisous. À partir du prochain, normalement. Yep. Des bisous. Eh bien, merci à vous, c'était très sympathique. Ah, ben, tu reviens. Merci, au revoir, bonne soirée. À toutes. On est combien? On est plus de 4 maintenant, je crois, non? 6. 6, tu restes Plagues. Ah non, on est 5. Attends, ah, c'est Eleanora qui est partie, zut. 4, 5, ouais. Après, je peux laisser ma place si vous avez envie de jouer, y a pas de soucis, hein, les potes. Mais alors déjà, juste parce que c'est à peu près 23h et qu'il y en a qui sont partis, je coupe le stream là, donc on fait le au revoir. Et après, on peut faire du off après, derrière. Donc, au revoir. Merci pour ceux qui ont suivi. Ce soir, il y avait Another Mr. Green en stream, donc n'hésitez pas à aller le follow. Imran n'était pas en stream, mais d'habitude, il l'est. Donc, pensez à aller jeter un œil aussi à ce qu'il fait. Bien sûr, suivez Yves Assonde, cela va de soi. Les réseaux sociaux. Prochain stream ici, demain, 14h, Farlon Sales, un petit jeu en 3-4h. J'en ai parlé tout à l'heure. Et après, jeudi, on sera sur du Mario, 3D World, puis 35. Et vendredi, normalement, peut-être, As Far As The Eye, la suite avec Yakipon. Prenez soin de vous, passez une agréable soirée. Fate pour As Far As The Eye, Fate. Fate, exactement. Tout simplement, cordialement, bisous. Bisous. Cordialement, bisous.